Allez les amis, on est presque arrivés. Ah, le taxi est là. C'est génial. J'ai hâte d'y être. Ah, trop bien, on n'aura pas à marcher. Ouais, bof. Ben, qu'est-ce qu'on attend? Wesh, vas-y, me casse la tête tout cela. Détends-toi, Sou. On va passer un bon week-end, j'en suis absolument certaine. Répète pour voir, répète. J'ai rien dit de méchant, Sou. Allez, viens, on monte dans le taxi. Commencez pas à vous énerver, les filles. Tout va bien se passer. Allez, montez, je vous amène à l'hôtel. C'est parti. Attendez, soyez pas pressés comme ça. S'il vous plaît, une chambre. Bonjour, messieurs, dames. Que puis-je pour vous? Une place de ciné, wesh. Tu crois qu'on est venu pourquoi? Je veux une chambre, je t'ai dit. Calme-toi, Sou. Ah. Si vous commencez à vous énerver comme ça dès le départ, ça va pas le faire. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, le serpent annulette? Tais-toi, va. Super, on va passer un bon week-end, je sens. Je comprends pas pourquoi vous êtes aussi violent. On va juste passer un bon week-end, c'est tout. Iris a raison. Calmez-vous. Je suis des mêmes avis qu'eux, vous devriez vous détendre. Ils sont lourds ceux-là, là. Bien, écoutez. Je peux vous filer la chambre 12. De toute façon, toutes les chambres sont libres. Vous acceptez ou pas? Non, je veux pas, moi je veux une chambre en haut. Qu'est-ce que tu fais, là? Je veux la chambre en haut pour avoir le soleil. Ça va. Chambre 14, c'est la plus haute de l'hôtel, ça vous va? Ouais, c'est bon, vas-y, on voit les clés, là. Ah là là, celle-là changera jamais. Tenez, voici la clé. Merci, monsieur. Bon, t'es contente, t'as ta chambre? Ouais, vas-y, dépêche-toi, c'est pas que ça à faire, moi. Ah là là, bon débarras, ils sont casse-pieds, celle-là. Vous pouvez me donner une chambre, s'il vous plaît? Oui, monsieur, vous êtes en couple ou vous êtes seul? Je suis seul. J'aimerais bien avoir la chambre juste à côté de la leur, si ça vous dérange pas, bien sûr. Non, bien sûr. Tenez. Je vous remercie. Vous êtes bon prince. À bientôt. Allez, je monte. Et il vous reste quoi comme chambre? Ah, prends ce qu'il y a, c'est bon. Chambre 13 pour vous, si vous voulez. Tenez. Et je vous remercie. Passez un bon séjour dans l'hôtel, monsieur. Ouais, on verra. Tu viens? Ouais, j'arrive. Et pour vous, mesdemoiselles, il n'y a pas trop le choix, ce sera la dernière chambre. On fera avec, merci. Voici pour vous. Merci. Allez, Simon, on y va. Ouais. Allô? Salut, Iris. C'est quoi ton film d'horreur préféré? Vous êtes qui? Ça répond pas à ma question. Je sais pas. Je dirais, souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier? J'ai quelques questions à te poser. Écoutez, j'ai pas que ça à faire, là. J'étais occupé. On va jouer à un jeu tous les deux. Si tu réponds juste, tu auras la vie sauve. Quoi? Comment ça, si je réponds juste? Vous êtes un grand malade. Laissez-moi tranquille. C'était qui, chérie? C'était un type bizarre. Il m'a demandé si j'aimais les films d'horreur. Il était vraiment étrange. Il t'a demandé quoi d'autre? C'est encore lui, je crois. Allô? Si tu me raccroches encore une fois, je vais découper en morceaux ton copain Simon. C'est encore lui? S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Alors tu vas répondre à la question. On joue à un jeu. Lequel? Tu as 3 questions. Si tu réponds juste aux 3, je te laisserai tranquille. Mais qu'est-ce qu'il veut? Allez-y, je vous écoute. T'en souviens-toi l'été dernier? Que se passe-t-il avec les jeunes sur la route? Elle est facile! Ils écrasent une personne! Tu vois, tu y arrives, c'est très facile. Bonne réponse. Mais dis-moi ce qui se passe, bon sang! Chut, tais-toi! Je suis en train de parler avec lui. Deuxième question. Quel type de déguisement porte le tueur dans le film? C'est facile, il a un anorak! Un genre de... de trucs pour la pluie, là, les trucs de pêcheurs. Bonne réponse. Bravo à toi. Bon, tu vas me répondre, bon sang. Qu'est-ce qu'il veut? Dernière question. Comment se nomme la personne qui se fait écraser dans la voiture en début de film? C'est facile, c'est le tueur, c'est Ben Willis. C'est Ben Willis. Tu vois, je t'ai eu. Tu es nul. Mauvaise réponse. Ce n'est pas Ben Willis. Ben Willis, c'est son père, c'est le tueur. Adieu, Iris. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de lumière! Il doit y avoir une coupure de courant, t'inquiète pas. On va essayer de s'éclairer. Reste pas dans le noir. J'ai trop peur, je me demande ce qu'il me voulait l'autre. Il a dit qu'il voulait me tuer.
Mais c'est un canular, t'inquiète pas. Bon sang, il n'y a plus de courant. Je vais voir si les autres, ils ont la même chose que moi. Ah, vous êtes là? Vous aussi, vous avez plus de courant? Oui, j'ai reçu un appel étrange. Quelqu'un qui a dit qu'il voulait me tuer, il m'a posé des questions bizarres. Ah, t'inquiète pas, j'ai reçu un appel comme ça aussi. Ça doit être un canular. Bon, et on fait quoi alors? Moi, je veux pas rester seul. Bah, vous voyez, le courant est revenu, c'était pas grand chose. Ah, ça m'a fait flipper cette histoire, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un. Mais non. Bon, allez, passez une bonne nuit, à demain. À demain, Steve. Oh là là. Il s'affole pour rien. Juste un appel téléphonique et ça y est. Ah. Je remets le courant. Ben voilà, c'est mieux. Ben allons nous coucher. Vous avez passé une bonne soirée? Ouais, tu parles. Il y a quelqu'un qui a pas arrêté de nous harceler au téléphone. Ouais, il y avait un mec étrange là. Il faisait que nous poser des questions sur des films d'horreur. Franchement, il m'a fiché les jetons. Vous devriez pas parler de ça dans l'hôtel. Ça va faire flipper le gérant, il risque de nous virer. Vas-y, ils s'inquiètent pour rien tous. N'importe quoi. Tu devrais pas être comme ça, tu sais, Sou. Franchement, ça fait flipper. Si ça se trouve, il y a un taré dans l'hôtel et il essaye de nous zigouiller une par une. Bah, qu'ils viennent, vas-y, qu'ils viennent. Hé hey, Iris a disparu. Il y a quelqu'un qui l'a enlevé, je suis sûr. C'est le tueur d'hier soir. Comment ça, le tueur d'hier soir? Mais tu le sais très bien, Steve. Hier soir, il y en a un qui a débarqué. Qu'est-ce qui se passe? C'est Iris, elle a disparu. T'es sûr qu'elle est pas allée faire une balade? Ouais, vas-y, une balade. On est dans un hôtel luxueux et elle, elle va faire une balade. C'est pas drôle, Sou. Si ça se trouve, il lui est arrivé quelque chose. On devrait se mettre à la chercher. Oui, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, moi, je veux bien t'aider, on va regarder. Oui, amène-nous à ta chambre. Bon, allons-y. Et s'il n'y a pas de traces, on appellera la police. N'hésitez pas à me parler si vous avez besoin de quelque chose. Je suis dispo. Bon alors, vous attendez quoi, là? Allez, montre-nous. C'était où? C'est là. C'est ma chambre. Eh ben, on va jeter un œil. Si ça se trouve, elle a rien du tout. Ben, moi, je veux bien aider si ça peut servir. S'il vous plaît, trouvez-la. Bien. Ça sert à rien de fouiller les placards, ça m'étonnerait qu'elle soit là. Elle est pas dans la chambre, ça c'est sûr. On devrait fouiller l'hôtel. Simon, t'inquiète pas. Si elle est dans l'hôtel, on la retrouvera. S'il vous plaît, faites quelque chose. Y a pas de raison qu'on la retrouve pas. On va appeler la police si besoin. Je m'en charge. Police du district. Oui, on aurait besoin de la police, s'il vous plaît. Pour une disparition. Vas-y, dépêche-toi, explique-lui. C'est une jeune femme qui aurait disparu, visiblement. Dans la nuit. Écoutez, on vous envoie une patrouille. Je vous remercie. Bah tu vois, quand tu veux, tu gères. Oui, bah c'est bon, je connais mon travail quand même. C'est toi qui le dis, ça. Je me demande si les autres sont au courant de ce qui s'est passé ici. Et après l'appel, on s'est couché, et quand je me suis réveillé, il n'y avait plus personne. Effectivement, c'est vraiment étrange. Mais t'aurais dû rester avec elle, frérot. J'avoue, t'aurais pas dû la quitter des yeux. Mais j'étais avec elle, elle dormait juste à côté de moi. Quelqu'un a appelé la police? Ah, inspecteur, vous êtes enfin arrivé? Ouais, la copine, elle a disparu, quoi. Alors expliquez-moi tout ça depuis le début, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ma copine, Iris. Je me suis réveillé, elle était plus dans la chambre. D'accord. Et au-delà de ça? Elle était avec nous hier soir, on a mangé ensemble. Et quand on est arrivé à l'hôtel, elle était là. Je confirme. Vous avez essayé de l'appeler, de la joindre? Mais il y a personne qui répond quand j'appelle son portable. Ben, elle est peut-être tout simplement partie. Mais comment ça, inspecteur, parti? Pourquoi elle serait partie? Elle nous aurait prévenu quand même. Ah, vous savez, des fois, les séparations... Bon, écoutez, si vous n'avez pas plus d'éléments à me donner, moi, je peux pas rester. Mais wesh, vas-y, la police, ça sert à rien, là. Même pas elle aide. Franchement, vous exagérez. Vous pourriez faire quelque chose, quand même. Elle a pas assez d'éléments, elle vous dit. Bon, après tout, on sait pas où elle est. Si ça se trouve, elle est vraiment sortie. Écoutez, j'ai du travail. Rappelez-moi si vous avez du nouveau. Eh ben, la police ici, elle est sévère, hein. C'est une blague? Ils vont rien faire, alors? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Bon, écoutez, moi, je suis claqué de tout ça. Je vais remonter dans ma chambre. Vous abusez, sérieux. Oui, allô? Bonsoir, Simon. Vous êtes qui? Iris, t'as pas parlé de moi? Écoutez-moi, espèce de taré.
Elle est où, ma copine? T'inquiète pas, Simon. Tu vas pas tarder à la rejoindre. Vous êtes qui? Vous me voulez quoi? Laissez-moi tranquille! Venez, wesh! Y'a un truc en haut, là! J'ai découvert quelque chose dans la chambre! Qu'est-ce qui se passe encore? Venez voir, suivez-moi! C'est dans la chambre de Simon! Mais il s'est passé quoi encore? Tu commences à me faire peur, Sou! Mais vas-y, dis-nous! Me dis pas qu'il a encore arrivé un drame! Suivez-moi, c'est dans la salle de bain! Allumez la lumière! C'est où? C'est par là! Regardez! Oh non! C'est le corps de Simon! Mais il a été assassiné! Il s'est fait poignarder à plusieurs reprises. Il y a un tueur dans l'hôtel! Je commence à flipper, moi! Ouais, je l'ai trouvé, il était juste là! Et qu'est-ce que tu faisais au juste dans la chambre? Ouais, c'est vrai ça! Pourquoi t'étais dans la chambre de Simon? Moi, je trouve ça vraiment bizarre! Vous en prenez pas, ma sœur, elle a rien fait! Ouais, vas-y, moi, j'étais venu voir si sa copine était revenue, c'est tout! Bon, écoutez, on va pas commencer à s'affoler. On va appeler la police. On va voir ce qu'ils en pensent. Bien. Il a été poignardé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous avez vu au juste? Rien du tout. On était dans notre chambre. Enfin, on a fait comme d'habitude. On se regardait un film. Moi, j'étais tranquillement dans ma chambre. J'étais seul. Moi, j'étais avec ma sœur, Sou. Sou, c'est celle qui a découvert le corps, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien. Bon, je vais l'interroger. Et nous, on fait quoi en attendant? S'il vous plaît, vaquez à vos occupations. J'ai un suspect en tête déjà, mais j'aimerais avoir plus d'infos concernant Sou. Bon, très bien, je vais retourner dans ma chambre alors. Ouais, on va faire pareil. Ok. Moi, je reste avec ma sœur, c'est hors de question que vous l'interrogez sans moi. Je n'y vois pas d'inconvénient. Sou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu vanné, quoi. Expliquez-moi ce que vous avez vu. Bah, je suis rentré dans la chambre, en fait, comme sa copine avait disparu... Honnêtement, il m'a fait de la peine hier, donc j'ai voulu aller voir s'il allait bien et surtout savoir si sa copine était revenue, quoi. Continuez. Et quand je suis arrivé, en fait, je l'ai pas trouvé. La porte était ouverte, alors je suis rentré dans la chambre et j'ai vu qu'il y avait un truc qui était étrange. Comme s'il y avait une lutte ou quelque chose comme ça, vous comprenez? Bon, je suis pas flic, moi. Oui, je comprends. Et ensuite? Bah ensuite, j'ai retrouvé son corps par terre, quoi. Et là, je suis allé alerter tous les autres. Bien. Et vous avez rien entendu de bizarre hier soir? Vous êtes dans la chambre qui est à côté, vous, c'est ça? Ah non, non, pas du tout, hein. Celui qui est à côté, c'est Steve. Steve? Celui qui a les lunettes, c'est ça? Oui, tout à fait. Ma sœur vous dit la vérité. C'est pas une menteuse. Je n'en doute pas, ma chère. Mais il commence à se faire tard. Bon, j'ai déjà un suspect en tête. Mais je vais quand même aller interroger votre ami dans la chambre juste à côté. Merci, madame. On peut retourner dans notre chambre parce que franchement, je flippe, moi. Oui, bien sûr, allez-y. Et faites attention. Il y a quelqu'un de dangereux dans l'hôtel. Merci, madame. Je vous en prie. À plus tard. Mais qui c'est qui tape à cette heure-ci? Inspectrice? Oui, bonsoir, Steve. Mes amis m'ont dit que tu étais dans la chambre juste à côté. Oui, tout à fait. Pourquoi ça? Bien, je voulais savoir si tu avais entendu quelque chose hier soir. Non, absolument pas. Moi, j'étais dans ma chambre, je regardais tranquillement la télévision. D'accord. Bon, c'est dommage. Mais j'ai quand même une idée. Retrouvez-moi tous dans le hall. Très bien, d'accord, je vais alerter les autres. Allez, à dans 5 minutes. Je me demande ce qu'elle a en tête. Merci d'avoir accepté de revenir dans le hall. Vas-y, il se passe quoi? Pourquoi vous nous avez convoqués dans le hall? C'est vrai, c'est la bonne question, pourquoi? Vous avez un suspect en tête? J'espère que c'est pas moi que vous allez accuser. Effectivement, j'ai mené mon enquête de mon côté. Et l'un d'entre vous a un passé douteux. Douteux? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un passé pour enquête pour meurtre non résolu. Donc mes soupçons se portent sur cette personne. Wesh, et on peut savoir qui c'est? C'est qui? Allez-y, dites-nous. Le gérant de l'hôtel. Quoi? Mais c'est pas moi! Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Suivez-moi. Le gérant de l'hôtel, j'arrive pas à y croire. Mais je vous dis que c'est pas moi! On en reparlera au poste, on verra bien. Un tueur de moins dans la nature. Ça lui apprendra. Mais qu'est-ce que... Ah! Mais qu'est-ce qui se passe dehors?
Ah mais c'est la flic! Elle s'est fait assassiner aussi! Vous voyez? C'était peut-être le gérant, il a dû la tuer et partir! Wesh, tu veux dire que le gérant, il a le couteau maintenant, il va essayer de nous planter aussi? On devrait retourner dans l'hôtel, on n'est pas en sécurité dehors! Et on fait quoi de son corps? On n'appelle pas la police? La police nous sera d'aucun secours. Écoutez, on devrait... Allô? Bonsoir, ça va? Qui c'est? Je crois que c'est lui! Passe-moi le téléphone! C'est qui? J'espère que toi et tes amis vous sentez en sécurité dans votre chambre. Est-ce que ça va pas durer? Ça me fait flipper! Qu'est-ce qu'il veut? On ferait mieux de se planquer, je vais dans la salle de bain. Je viens avec toi! Qu'est-ce qu'il veut, Serette? Wesh, tu crois que tu me fais peur? T'as qu'à monter, tu vas voir! Faut pas me le dire deux fois. Attention derrière toi, Sarah. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Sarah! À nous deux, Sou. Elle avait une arme. On va enfin découvrir qui tu es. Laisse-moi retirer ce masque. Sou, s'il te plaît, me tue pas. Iris, pourquoi tu as fait ça? Vous aviez tout, et moi j'avais rien. Et Simon, c'était un bon à rien aussi. Ton argument ne suffit pas, Iris. Pas pour tout ce que tu as fait. S'il te plaît, laisse-moi en vie. Je suis désolé, mais non. Et donc, c'était Iris? T'es sérieuse? Bah wesh, c'était elle! Elle a tué ma sœur! Tu te rends compte, elle a tué ma sœur, quoi! Sarah, je la reverrai jamais! Jamais! Mais la police, ils t'ont pas arrêté? Pourtant, t'as tué Iris! Ben non, wesh! Ils ont découvert, en fait, que j'avais rien fait! Quoi, ils se sont rendu compte que c'est pas moi qui avais l'arme! Je me suis juste défendu, tu vois? Ouais, enfin, nous, on n'a rien vu venir! On s'est caché dans la salle de bain! Et puis, d'un coup, c'est devenu noir, alors on s'est planqué! Et on t'a vu partir en courant et on a vu que l'autre il te suivait, alors on a eu peur. Tu comprends? T'as pas de courage, vas-y. T'as failli me laisser mourir comme ça? Même pas tu viens m'aider? Et moi, y'a l'autre derrière, là? Ça va, t'as su te défendre? T'avais une arme. Ça aurait pu être pire. Une arme? Il a failli me découper en morceaux, hein? La prochaine fois, franchement, vous faites ça, je vous laisse crever, quoi. Moi, perso, je me sens pas à l'aise ici. On devrait peut-être partir. Ouais, vas-y, moi, je me tire, quoi. Attendez, les gars, quoi. On va pas marcher, j'appelle un taxi. Ouais, t'as raison, Sou. Ça serait mieux. Lucas a raison. Tu peux l'appeler? Attends. Y'a pas de réseau, wesh. C'est bizarre, ça. C'est étrange. Bon, ben, on va marcher, alors. On n'a pas trop le choix. Vas-y, j'ai pas envie de marcher, moi. Bon, allez, je vous suis. Bon, on fait quoi, là? J'en ai marre, moi! On n'aurait jamais dû venir ici. C'est quoi cette ville bidon? Y'a personne. On devrait peut-être chercher d'autres personnes, non? Voir s'il y a du monde dans la ville. Je connais pas bien cette ville. Mais on devrait peut-être se renseigner, non? Peut-être qu'il y a du monde. Ouais, vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Ah ben tiens, y'a des personnes ici. Je pensais pas qu'on allait tomber sur des gens. Comment elle parle, celle-là? Elle s'est crue pour notre pote? Oh, vas-y, va! Calmez-vous. Il faudrait garder la tête froide. C'est bien qu'on ait croisé des gens. Salut, je m'appelle Irina. Je m'attendais pas à trouver des personnes ici. Surtout à cette heure-ci. Ouais, ben vous allez où comme ça? Nous, on cherchait un taxi, mais y'a personne qui répond. Y'a pas de réseau, quoi. Ça vous dirait de vous joindre à nous? On est seuls. On cherche de l'aide. Oui, c'est assez compliqué. Moi, je veux bien. C'est hors de question. Moi, je veux pas. Je vous connais pas. Si ça se trouve, vous êtes des tueurs en série ou des psychopathes. C'est bon, détendez-vous. C'est pas parce qu'il y a des rumeurs de meurtres dans le village que forcément ça veut dire qu'il y a des tueurs ici. Attendez. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Comment tu me parles, toi? Tu t'écris pour ma pote? Mais qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Oh, on peut vous faire venir avec nous. Vous vous joignez à notre groupe?
et on fait le tour de la ville. D'ailleurs, on peut vous montrer quelques coins. On en a découvert en arrivant. Bon, même si on est un peu perdu, ça pourrait être sympa. Franchement, non. Mais bon, on est seul. Alors, ouais. Elle a pas l'air commode, celle-là. Allez, faites un effort. Ils ont raison. On ferait mieux de rester ensemble. Et en plus, il commence à faire nuit. Moi, je te dis, hein. Tu me touches, je t'éclate. T'as compris? Tu te calmes, la grosse. Tu vas voir comment ça va se passer si je m'énerve. Bon, ça suffit, les filles. Allez, venez avec nous. Il a raison. Au fait, je m'appelle Lucas. Moi, c'est Enzo. Moi, c'est Tom. Je l'ai déjà dit, mais moi, c'est Irina. Moi, c'est Sou. Et moi, c'est j'ai pas que ça à faire. Calme-toi, Sylvie. Bon, moi, c'est Edouard. Enchanté, tous. Bon, maintenant, on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on trouve un endroit où aller. Si vous voulez, on peut vous faire visiter le coin. Et en plus, j'ai même pas de réseau, quoi. Ça me saoule. Elle m'a gonflé, celle-là. Allez, suivez-moi. On va commencer par le bas de la ville. C'est par ici. Hé hey, salut. Vous allez où comme ça? Vous êtes qui, vous? Je m'appelle Alex. Je suis guide dans la ville. Un guide qui se balade la nuit. Franchement, ça fait flipper. Ouais, ben moi, j'ai déjà donné avec les guides. On a failli te faire couper un morceau. Oh, ça va, laissez-le. Ça se trouve, c'est quelqu'un de gentil. Ouais, gentil, gentil. Moi, franchement, j'ai pas confiance. Comment dire? La dernière fois qu'on a fait confiance au premier qui est venu, il a failli nous couper un morceau. Donc, je suis d'accord avec Sou. Ça, c'est pas faux. Détendez-vous, les gars. Je suis juste un guide, moi. Bon, après tout, on vous connaissait pas non plus tout à l'heure. Si ça se trouve, vous êtes des tueurs aussi. Ouais, vas-y, dis tout de suite qu'on est dangereux, quoi. J'ai pas dit ça. Je dis simplement que c'est pas parce qu'il est seul dans la nuit que forcément c'est un tueur. Je suis d'accord avec le beau gosse. Bon, on fait quoi, alors? Bah, on va l'écouter. On va commencer par ça. Bon, alors, vous venez ou pas? C'est bon. Il est mignon, en plus. Moi, je lui fais confiance. Ouais, bah, je vous aurais prévenu. Bon, vas-y, accouche. C'est quoi le plan? Alors, je peux vous faire visiter un petit peu la ville. Par là-bas, il y a pas mal de choses à voir. Ok. Et tu veux commencer par où? Ben, je sais pas, moi. Il y a le camping, le cinéma, il y a pas mal de lieux. Vous voulez voir? Ouais, vas-y, s'il te plaît. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai prévu de mettre ça sur Insta. Elle changera pas, celle-là. Insta? Mais qu'est-ce qu'elle est craignante, celle-là? On dirait ça, hein, quoi. Sérieux. Oh, tu vas te calmer, toi. Sinon, je t'éclate. Je te l'ai déjà dit, hein. Vas-y, répète pour voir. Répète. Ça suffit. Vous allez commencer à vous emboucaner tout le long comme ça? Ils sont pas possibles, celles-là. Oh, c'est vrai, ça. Vous saoulez, hein. Bon, ok. On fait quoi? Vous venez avec moi ou non? Oui, c'est bon, on va te suivre. Allez, on commence par où? Alors, on va commencer par le cinéma. C'est le plus près. Ensuite, je vous amène au camping. Ok, allons-y. Suivez-moi, c'est par là. Ok. Venez, c'est juste là. C'est le cinéma. Ok, super. Et pourquoi on est venu ici au juste? Wesh, c'est trop beau. Vous m'avez demandé des endroits à visiter, donc je vous fais découvrir la ville. Moi, perso, j'aime bien. Ouais? Y'a d'autres lieux? C'est ennuyeux. Je me demande ce qui passe comme film. Bon, on a peut-être autre chose à faire, non? Bon, ensuite, c'est quoi, le programme? Ensuite, y'a le camping, par là-bas. Et après, ben, y'a la plage, c'est juste à côté. Ok, va pour le camping. Suivez le chef. On est arrivé. C'est juste ici. Donc là, c'est le camping. Ouais, génial. Et y a personne? C'est vrai que c'est bizarre, ça. Ils sont où, les gens? Pourquoi on croise personne dans la ville? Ben, c'est une période estivale. Ils sont tous en congé. Vous avez vu ça? Y a un yacht? C'est le yacht qui appartient au maire de la ville. Mais il est pas là en ce moment. D'accord, donc y a personne. Y a pas le maire. Y a pas les habitants. Oh, vas-y, ça me fatigue, moi. J'en ai marre de marcher. C'est quoi le programme, après? Je pense que Sou a raison. Ça serait bien de faire un peu autre chose. J'aimerais bien me poser, moi. Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Bah, après... Et ça, c'est quoi, là-bas? Ça, c'est la forêt. Je vous déconseille d'y aller. Ça fait un peu flipper.
toutes les personnes qui ont pénétré ne sont jamais ressorties. Eh ben, ça donne vachement envie. Non, moi, je veux pas mourir. Bon, la dernière étape, c'est le cimetière. Sérieusement? Bon, bouge ou quoi? Moi, je m'ennuie, là. Vous êtes lourd. Un cimetière? Franchement, Bon, écoutez, on va pas camper là, non? C'est drôle de dire ça dans un camping. Bon, vous me suivez? Allons pour le cimetière. Venez, suivez le guide. Et voilà, c'est le cimetière. Super l'ambiance. Je vois pas l'intérêt de venir ici. C'est bien de visiter ce genre de choses aussi. Bon, vous allez pas faire les difficiles quand même. Ça me fatigue, j'en ai marre, je veux rentrer. Vas-y, calme-toi, toi. Bon, vous vous dépêchez? Franchement, ça devient fatigant maintenant. J'aimerais bien qu'on rentre. Fuyez! Fuyez! Il faut qu'on éteigne les lumières. Ils risquent de nous repérer sinon. Mais c'était qui encore? Je sais pas. Quelqu'un vous a attaqué. En tout cas, il est pas derrière nous. Mais vous avez laissé votre ami? Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Et votre ami? Pourquoi vous l'avez pas secouru? C'est vrai ça? Ouais ben vas-y toi. Va affronter le mec au couteau. On a déjà donné. Il y a tout le monde qui est mort. Je suis désolé pour lui, mais... Franchement, j'espère que vous allez pas me laisser tomber. Vous craignez, sérieux? Ah, aidez-moi! Aidez-moi! Lucas? Tu es toujours en vie? Il est juste blessé. Il a failli m'avoir. Oh, viens, on va te monter. Amenez-le en haut. Allez, vous attendez quoi? Allez, on monte. On risque rien ici. Merci. Il a failli me tuer. Mais comment ça se fait qu'il y en a un autre? Comment ça, un autre? Un autre quoi? Un autre tueur Comment ça, un autre tueur? Pourquoi vous nous avez pas parlé de ça? On n'a pas vraiment eu le temps. Puis ça faisait pas bonne figure. On vous connaît pas? On arrive? Ouais, je m'en suis débarrassé. Mais apparemment, il avait un complice. Mais vous auriez pu nous en parler avant? On serait pas venu avec vous? Ça, c'est bien vrai. À cause de vous, on va mourir. Personne ne va mourir si on reste soudés. Mais qui c'est ça? Allô? Bonsoir. Vous me voulez quoi, vous? Je croyais que je vous avais flingué. Tu es bien avec tes amis dans l'école? Quoi? À tout de suite, Sou. C'était qui? Réponds-nous. Qu'est-ce qu'il veut? On va tous mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit plus rien. Mon téléphone, il est clair. On voit quand même un peu dehors. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça craint. Moi, je dis on devrait pas rester ici. Il a dû couper le courant. Me laissez pas là, s'il vous plaît. Et on fait quoi, maintenant? C'était quoi, ça? Je crois que c'était lui. Il a dit qu'il arrivait. Je vous conseille de vous planquer. Et rapidement. Allez, cachez-vous. Vite. On voit rien, ici. J'espère qu'on sera en sécurité, là-dedans. Vous me trouverez pas. Mais bon sang, éteins ce téléphone. On va finir par se faire zigouiller. Et ils sont où les autres? Les copains sont déjà plus là, Sou. Ça te dérange pas? Je m'en fous, je les connaissais pas. Laissez-moi tranquille. C'était quoi ça? Y'a quelqu'un? Non, laissez-moi! C'est le moment. Il faut qu'on s'enfuit. Par ici. Par ici, venez. Rejoignez-moi. Les autres se sont fait zigouiller. Il a éteint toutes les lumières. On s'est tous fait massacrer. Ils sont tous morts. Il faut qu'on trouve un endroit. Un endroit sûr. T'en connais pas un, toi? Je sais pas. Vous pouvez toujours venir chez moi. J'ai une grande maison sur la colline. On y sera en sécurité. Ben vas-y, je te suis. On vient avec toi. C'est par où? Et les autres, on fait quoi pour eux? Quoi les autres? Ils sont tous morts, quoi. Tu veux aller voir l'autre avec son couteau, là? C'est pas une bonne idée. On ferait mieux de se tirer d'ici au plus vite. Ouais, je suis d'accord avec elle. Suivez-moi. Allez, c'est par là.
C'est là. Nous sommes arrivés. C'est ça ta maison? Mais t'es ultra riche. J'avoue, je m'attendais pas à ça. Ouais, vas-y. C'est un bourge. T'es un bourge, toi. Ça va. Y a pas de quoi en faire un plat, quand même. Oui, je l'ai hérité de mes parents. Venez, on rentre. On sera en sécurité à l'intérieur. Ouais, vas-y. Moi, je reste pas dehors, hein. Et voilà, vous êtes chez moi. Installez-vous comme vous voulez. Vous risquez rien ici. Mais elle est trop stylée ta maison. C'est la classe. Je m'attendais pas à ça. Eh ben, les gens cachent bien leur jeu, hein. Wesh, vas-y. J'ai trop faim, moi. J'ai la dalle. T'as pas à manger? Oui, oui, bien sûr. Servez-vous. Je vais monter à l'étage. Je vais chercher le téléphone, je vais appeler la police. Restez ici. Je reviens. Il est drôlement sympathique, dis donc. Ouais, c'est quelqu'un de bien, ce gars-là. J'espère qu'il va pas mettre trop de temps. J'aimerais bien que la police nous aide. Ouais, y a même les canapés dehors. Oh, on est trop bien. On ferait mieux de la rejoindre. C'est clair. C'est la classe. Oh, ça va. C'est pas parce qu'elle a trouvé un truc encore. La ville, elle a l'air paisible comme ça. Ouais. Mais bon... Je me demande ce que c'est comme boisson. J'ai drôlement soif, moi. Ça a l'air pas mal, ce bar. Oh là là, quand je pense qu'on était bien tout à l'heure. Et là, maintenant, la nuit. J'aimerais bien que le jour se lève. On voit l'hôtel d'ici. Quoi, tu parles, l'hôtel? C'est de là où je viens. Et franchement, j'ai pas envie d'y retourner, hein. Vous trouvez pas qu'il fait ultra sombre d'un coup? Ouais, t'as raison. Pourquoi il fait sombre comme ça? Et puis, vous avez pas remarqué quelque chose? C'est trop calme. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Wesh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de lumière. Je me demande comment ça se fait. On ferait mieux de fouiller la maison. C'est sûr? Mais ça craint. Vous préférez pas qu'on reste ici? On va se faire zigouiller si on reste là. Bon, moi je reste pas ici. C'est trop dangereux. Tu restes pas avec nous? C'est trop risqué de partir seul. Franchement, moi je reste avec Sou. Même si je l'aime pas, je préfère qu'on reste groupés. J'en ai marre. Je veux pas rester dans cette maison. Je veux rentrer chez moi. Mais c'est risqué de sortir toute seule. Pas plus risqué que de rester dans cette baraque. J'essaye de contacter mon père. Et tu crois vraiment qu'il va te répondre? Y a pas de réseau ici. T'as bien vu que ça marchait pas. Moi je préfère aller vers le sous-sol. Folle d'être partie toute seule. Ouais, bah c'est son choix. On fait quoi? Y a qu'une seule issue. J'en ai trouvé une de l'autre côté. On te suit. Vous sentez pas un truc bizarre? On dirait que ça vient de là-bas. Ça fait comme un courant d'air. Vous pensez qu'on devrait aller voir? Je te laisse aller vérifier dans ce cas. J'ai pas confiance. Eh, vas-y, bande de trouillards. Y a un passage. Et t'as pas peur de rentrer là-dedans? Si ça se trouve, tu vas crever. Franchement, n'y va pas. Ça craint trop. J'ai peur de rien, moi. Je vais voir. Il faut que vous veniez voir ça. T'es sûr, ça craint rien? Moi, je sais pas. Bon, allez, vas-y, fais pas ton trouillard. Vous avez vu? C'est les costumes du tueur. C'est la maison du tueur. Mais attends, ça veut dire qu'Alex, c'est lui? On n'aurait jamais dû venir ici. Il faut qu'on se tire. Il y avait un passage secret. Je pensais pas qu'il allait nous mener jusqu'ici. C'est pour ça qu'il nous avait amenés là? Je comprends mieux maintenant. On fait quoi? Ouais, vas-y! On sait que c'est toi, Alex! Alex? Je connais pas d'Alex.
Vas-y, on t'a cramé avec tes costumes. De toute façon, tu ne trouveras pas. Tu es sûr de ça, Sue? Fuyez! Et on fait quoi maintenant? Il va falloir sortir de là. On voit rien dans cette forêt. Ça craint. On ferait mieux de continuer tout droit. Bon, ok, on te suit. Nous fais pas mourir, wesh. Vous êtes où? Je vous vois plus. Il est passé où, le gars? Mais j'en sais rien, moi, wesh. S'il vous plaît, vous êtes où? Y'a quelqu'un? Vous êtes où? J'ai entendu ça? Je crois que c'était lui. Il a dû se faire zigouiller. On fait quoi, wesh? Faut qu'on fuit. On devrait sortir d'ici. Je pense qu'il faut aller tout droit. T'es sûr, wesh? On va se faire zigouiller, hein? Non, fais-moi confiance. Regarde, c'est la route. Tu vois, je te l'avais dit. Qu'on allait réussir à s'en sortir. Tiens, chérie, grave. Allez, viens, on y va. T'as vu ça? C'est lui. C'est le gars avec le masque. On ferait mieux de se planquer. Ça craint trop. Commissariat de Brookhaven, je vous écoute. Oui, bonsoir. On est poursuivi par un tueur. Il y a quelqu'un qui veut nous zigouiller. D'accord, calmez-vous. Vous êtes où exactement? Je sais pas. On est dans un genre d'entrepôt. Il fait tout noir dans la ville. Venez nous aider, s'il vous plaît. Ok, on vous envoie une patrouille, on vous aussi. Ne bougez pas et surtout cachez-vous. Vous pouvez vous mettre en sécurité? Oui, on est caché là. Très bien, alors ne bougez pas. On vous envoie quelqu'un. Merci. Vous nous sauvez la vie. Il s'envoie quelqu'un? Ouais, c'est bon. On ferait mieux de se cacher alors. Ouais, t'as raison. J'éteins le téléphone. Bonsoir, Sue. Tu vas pas t'en sortir cette fois. Police de Brookhaven. Est-ce que c'est vous qui avez appelé? Oui, c'est nous. Ouais, c'est moi qui ai appelé. Ça fait plaisir de vous voir. Il y a un tueur qui essaye de nous tuer, quoi. Oui, il nous poursuit. Toute la nuit, il vous a poursuivi. Il a tué tous nos amis. Maintenant, vous êtes en sécurité. Vous risquez... À ton tour, Sue. Non! Laissez-nous! On est arrivé. Sue, tu me suis toujours? Ouais, ouais, je suis là, wesh. J'ai eu tellement peur! Viens, on va prévenir la police. Bonsoir, monsieur l'agent. Faut qu'on vous parle d'un truc. Oui, s'il vous plaît. Aidez-nous! Calmez-vous, les filles. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu votre petit copain? Mais c'est pas drôle! Y'a un tueur qui nous poursuit! Oui, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Calmez-vous. Comment ça, un tueur vous poursuit? Mais vous comprenez pas? Il vient tuer un agent de police! S'il vous plaît! Faites quelque chose! Un agent de police? Attendez, j'ai une collègue qui est partie sur le terrain. Je vais essayer de la contacter. T'es bouché le flic ou quoi? Aide-nous! Ça répond pas. Son téléphone ne répond pas. C'est pas normal. Mais c'est ce que tu as vous expliqué! Il y a un tueur! On va vous mettre en sécurité dans l'arrière-salle. Restez bien au chaud. Je vais contacter mes supérieurs. Merci, monsieur l'agent. Suivez-moi. Restez ici. Vous y serez en sécurité. Merci, monsieur l'agent. Vous nous sauvez la vie. Ouais, merci, monsieur l'agent. Je reviens. Tu crois qu'on est sauvés? Allô? Bonsoir, Sue. Tu
sentais en sécurité ici. On arrive à la maison, ma fille. On va se garer ici. Alors, tu as bien compris ce que je t'ai dit. J'explique-toi à ta mère. Wesh, papa! Mais en fait, c'est pas moi, j'ai rien fait. C'est pas moi qui les ai tués, les gens. J'en ai rien à faire. Normalement, t'es pas censé être ici. T'étais censé partir en vacances plusieurs semaines. Ça va, c'est bon, j'ai compris. Bon, suis-moi. Ta mère va pas être contente. On est rentré. Ça y est, vous êtes revenu? Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Sa sœur est morte. Quoi? Ma fille est morte? Ça va, panique pas. On en a une encore. On peut en faire une autre. Ouais, je te jure, sérieux. Le gars, il est venu, il a sorti le couteau et il a tué Sarah, quoi. Tu vois, Sarah est morte. Je sais plus quoi faire, moi. Non, mais c'est abominable. Vous êtes complètement taré. C'est bon, chérie, panique pas. On en fera une autre, je t'ai dit. Une de perdue, 10 retrouvées. C'est un sans-cœur, mon papa. Bon, ma fille, monte dans ta chambre et fais tes devoirs. Demain, je t'amène à l'école. Wesh, les devoirs, vas-y. Moi, c'est le truc. L'école sert à rien, de façon, frère. Sert à rien. Comment tu parles? Tu veux que je t'en mette une? Allez, va dans ta chambre. Vas-y, on peut rien dire ici. C'est plus que c'était, les enfants. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu crois que les enfants, ça se remplace comme ça? C'est bon, c'était pas ma fille, de façon. Ma fille, c'est sous. J'en ai rien à faire. C'était la mienne. Arrête de dramatiser. Vas-y. Franchement, je suis dégoûté. Ça rame trop, quoi. Tu fais pas tes devoirs? Je t'avais demandé de faire tes devoirs, Sou. Vas-y, laisse-moi tranquille. Je sais ce que tu traverses, Sou. Mais tu verras, à force de voir des gens mourir, tu prends l'habitude et ça devient normal. Ouais, ben parle pour toi. Bon, je te laisse faire tes affaires. J'éteins la lumière et va te coucher. Demain, je t'amène à l'école. Je me demande ce qu'ils font les autres. Et surtout ce qui est arrivé à Sylvie. Je sais pas si je la reverrai un jour. C'est bon, elle va aller au lit. Tu te rends compte quand même? T'es un sans-cœur, Enzo. Je suis pas un sans-cœur. C'est la rue, c'est tout. Bon, je vais essayer de dormir. Allez, on est arrivé. Mais attends! C'est pas vrai, cette gamine. Elle est vraiment comme sa mère. Désolé, monsieur. Je suis en la bourre. Tu es en retard, Sou. Ça fait la 50e fois cette année. Qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai glissé dans l'escalier. Je me suis mangé la porte. Et après, il y a le chat, il m'a griffé la tête. Bon, pour cette fois, ça passe. Cette excuse-là, je l'ai jamais eue. Bah ouais. La dernière fois, j'étais tombé dans le réfrigérateur. Bon, va t'asseoir. Ok, monsieur. Et vas-y, casse-toi, t'as ma place, toi. Tu étais pas là. Donc je me suis assise ici. Ça fait quand même 3 semaines que t'es pas venu à l'école. J'en ai rien à faire. C'est ma place. Allez, dégage. Qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur, vous pouvez continuer le cours? Attends un peu, Kevin. Il faut que je règle ce problème. Vas-y. Moi, je vais te calmer, moi. Monsieur, elle me tire les cheveux. Ça suffit, Sou. Va t'asseoir à côté. Allez, prends la place qui est juste à côté. Vas-y. Tu vas voir, toi, à la récré. Ça parle de quoi, la classe, monsieur? On était au cours de physique. On étudiait l'espace et le temps. Vas-y, c'est relou, l'espace et le temps. C'est quand la sonnerie? C'est le temps de la sonnerie, non? Oui, pour ça, le temps, tu le connais. Bon, je reprends. Alors, l'espace et... Et donc, du coup, ben, il a planté tout le monde, quoi. Et moi, je me suis enfuie. Je me suis retrouvée toute seule. Mais c'est un truc de dingue, ce qui t'est arrivé. Et tout le monde est mort? Ouais, on a trouvé la cabane du tueur. En fait, ça planque, quoi. Il y avait des genres de déguisements chelous avec des masques. C'est un dingue, le gars. Je crois que c'était Alex. Donc t'es en train de dire qu'en fait, c'était le mec qui vous avait invité chez lui? Et c'était le tueur? C'est ça. C'était lui. Il voulait nous zigouiller, quoi. Tous un par un. Tous un par un. C'est un truc de malade. Et vous avez fait comment pour vous en sortir? Ben, on s'est enfui. Mais vous avez pas essayé d'aider les autres? Ben non, pourquoi tu veux qu'on les aide? Ils se sont tirés, eux. Ils nous ont même pas laissés tranquilles. Ils sont pas venus. Moi, je suis partie. Eh ben, c'est une histoire de fou, tout ça. Et vous avez repris contact avec ta copine, là? Mais je rêve. Sou!
C'est toi ? Qu'est-ce que tu fais là, copine ? Comment t'as trouvé le quartier ? C'est sur Instagram. J'ai vu les photos. J'ai reconnu, je me suis dit que j'allais venir te rendre visite. Ah bah t'imagines même pas comment ça me fait plaisir, wesh. Franchement, c'est une folie, quoi. J'étais en train d'expliquer l'histoire aux amis. Salut, moi c'est Sylvie. Vous appelez comment ? Moi c'est Kevin. Et moi c'est Mathilda. Bon, tu sais quoi ? J'étais en train de réfléchir. Et en fait, j'étais en train de me dire que ça serait bien qu'on retourne à la maison. Quoi ? Mais t'es complètement taré ? Franchement, il m'a foutu la rage, le gars. Et puis j'aimerais bien savoir qui c'est. Parce que... j'en ai marre qu'il m'appelle, tu vois ? J'ai mis mon téléphone, j'ai changé le numéro, et il m'appelle encore. À chaque fois, il me dit « sous ». Moi, j'en ai marre. Tu veux retourner là-bas ? Je suis pas sous, moi. C'est pas vrai. Mais non, sous. C'est par rapport à ton prénom. Bon, bref. On va y aller, si tu veux. Et c'est où que vous voulez aller, exactement ? Ça a l'air dangereux, quand même. Mais non, il y a la police. Ils ont bloqué la porte et tout, là. Ils ont même pas fouillé. Je crois qu'ils ont pas trouvé le passage secret de la maison. Ah oui, c'est vrai. Le passage secret. Il y a peut-être des indices là-bas. J'ai envie d'aller voir. J'osais pas te le demander, Sorette. Chiche en taille et on y va. Ben moi, de toute façon, j'ai pas cours. Mais c'est toi qui vois avec tes parents. Ouais, vas-y, mon père, il va encore péter un plomb. On t'accompagne, Sou. Le prof, il va se retrouver seul. De toute façon, ça sert à rien, l'école. Elle a raison. Allez, on y va. C'est bon, on est arrivé, les gars. C'est là. Franchement, c'est une très mauvaise idée, moi, je dis. Mais il y a quoi ici, exactement ? Quelque chose de mauvaise augure, à mon avis. Franchement, on n'aurait pas dû venir, je pense. Hé, hey, attendez ! Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Vas-y ! Je vous ai vu ! Vous êtes tous partis ! Vous croyez que je vais faire le cours tout seul ? Alors, je sais que je suis arrivé en retard, mais c'est pas une raison. Mais qui c'est qui t'appelait incruste, là ? Ah, c'est Elvis ! Qu'est-ce qu'il est lourd, ce gars-là ? T'as pas d'amis ou quoi ? Oh, c'est bon ! Vous allez pas me laisser tout seul ! Sinon, moi, je vais le dire à l'école, ce que vous êtes en train de faire. Et vous faites quoi, d'ailleurs ? C'est pas tes oignons. Vas-y ! T'as rien à faire ici, toi. Je partirai pas. Et en plus, ici, je sais qu'il y a la police qui est venue. Bon, c'est bon, laisse-le venir. De toute façon, on n'a pas le choix. Bien. On fait quoi, alors ? Bon, vas-y, hein. On y va. On va se ramener de boulet. De toute façon, ce sera le premier à mourir. Ça fait quand même moins flipper la journée, vas-y. Hein. Tu veux vraiment retourner là ? Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Voilà, c'est ouvert. Venez voir. C'est quoi cet endroit encore ? Ouais, elle a trouvé un passage secret ! Trop cool ! Ça me dit rien qu'il vaille. Bon, venez, on fouille. C'est exactement comme dans mes souvenirs. Il fait flipper, ce masque. C'est quoi, c'est le carnaval ? Ça m'a l'air d'être un bon demeuré, celui-là. Mais je reconnais ce masque. C'est pas le tueur qui portait ça ? Attendez ! Mais me dites pas qu'on est dans la tanière du tueur, quand même ! Le tu quoi ? Ah là là ! Encore rien qui a rien compris. Il doit y avoir des trucs à récupérer ici. Peut-être qu'il a laissé des indices. Ouais, t'as raison. Avec un peu de chance, on va tomber sur lui. Avec un peu de chance ? Mais c'est un tueur, il va nous tuer, non ? Toi, tu m'as l'air la plus intelligente du groupe, non ? Comment tu me parles, toi ? Mais on fait quoi ici, exactement ? On cherche des déguisements ? Mais t'es vraiment un énorme débile, toi. Bon, ça suffit, tout le monde. Il faut qu'on cherche. Alors aidez-moi. On fouille et on essaye de trouver quelque chose, d'accord ? Ouais, bah c'est pas la meilleure idée du siècle, ça. Mon Dieu, ça sent mauvais encore. Et Sou, j'ai trouvé quelque chose. T'as trouvé quoi, wesh ? Je crois que c'est un indice. Il y avait une genre de photo de cabane. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Vas-y, fais voir. Tiens, regarde. Tu vas peut-être servir à quelque chose pour une fois. Mais je la reconnais, cette maison. C'est la maison qui est à l'extérieur de la ville. L'extérieur de la ville ? Enfin, on a un indice. Je suis sûr qu'on va trouver quelque chose là-bas. Tu veux vraiment y aller ? Mais ça se trouve, c'est un piège. C'est vrai, elle a raison. Pourquoi est-ce qu'il aurait mis une photo ici pour nous laisser aller là-bas ? Moi, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a. Si ça se trouve, c'est une chasse au trésor.
Ouais, bah j'espère que c'est toi le premier qui va attraper. Moi, en tout cas, je m'enfuis si t'agresses. Venez, on y va. Et Elvis, tu nous montres où c'est, d'accord? Ouais, pas de soucis, suivez-moi. C'est ici, les gars. On est arrivés. Mais il fait ultra sombre. Je t'ai dit que c'était une mauvaise idée. En plus, y aller de nuit, c'est du n'importe quoi. Tu sais qu'on risque de se faire tuer encore? Comment ça encore? Pourquoi est-ce que je vous ai suivi, moi? Vous en faites pas! En vrai, ça passe! Et maintenant, on fait quoi ici? Ben, c'est à toi de nous l'expliquer! Tu nous as fait venir jusque-là! Qu'est-ce qu'on est censé trouver ici? Moi, je trouve ça bizarre. Vous avez remarqué que d'un coup, il n'y a plus de bruit? Moi, je veux rentrer! Franchement, c'est du n'importe quoi! Bonsoir! Tu ne mourras pas. C'est ce qu'on va voir. Fuyez, fuyez! Il va la tuer. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Elle va mourir si on l'aide pas. Moi j'y vais. T'es complètement malade? Laisse-la tranquille, toi. À bientôt, Sue. Elle est toujours en vie. Sue! Sue! Ouais, tout va bien. T'inquiète pas. Je viens de voir le tueur s'enfuir. On va le poursuivre. Je vais rester ici. Je vais la secourir. Très bonne idée. Mais moi, je vais avec eux. Ok. Bon, je te suis, Sue. Prends soin d'elle. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Tu es cerné! Vous ne mourrez pas vivant. Vas-y, viens te battre! Viens te battre! C'est fini pour toi. On va enfin découvrir qui c'est cette ordure. Allez, vas-y, enlève ton masque. Je veux savoir qui t'es. Mais c'est pas possible! Comment ça se fait que c'est toi? C'est pas moi qui ai tout fait! C'est Alex qui m'a forcé! Il m'a obligé! Ah ouais? Il t'a obligé à nous poursuivre avec un couteau? Arrête de mentir! Tu mérites pas de vivre, ma pauvre. Moi, j'ai rien demandé. C'est pas moi. Ouais, ben tu mérites d'aller en prison. Pour tout ce que t'as fait. Et tout ce que t'as tué. Mais je comprends pas. Qui c'est, celle-là? Bonsoir, Sue. Eh, vas-y, Alex. On sait que c'est toi. Espèce de tueur, va. On sait que c'est toi, Alex. Je connais pas d'Alex. Arrête de mytho. Vas-y, je te filme. T'es sur Internet, là. Allez, arrête ton cirque. On sait que c'est toi et t'as balancé. Dis-lui tout, Alex. Ça sert à rien de continuer. Allez, dis la vérité. Je sais que c'est toi. Bon, c'est bon, vous avez gagné. Vous m'avez démasqué. Et alors? Ça m'empêchera pas de vous tuer. Je comprends pas pourquoi tu fais ça, Alex. Je croyais qu'on était tes amis. Tu te rends compte? C'est toi qui as tué tout ce monde? S'il vous plaît, arrêtez-le. Vous allez souffrir pour tout ce que vous m'avez fait. Vous avez tué ma sœur. Ta sœur? Mais c'est qui ta sœur? Vous vous souvenez pas? Dans l'hôtel. Quoi? Cette cinglée, c'était ta sœur? Mais c'est vraiment une famille de malades. Vous l'avez assassinée de sang-froid. Surtout toi, Sue. T'as tué ma sœur avec une arme. Tu aurais pu l'épargner. Elle t'a demandé de l'épargner. Et toi, tu t'es pas empêché de la tuer. Ouais, ben fallait qu'on s'en débarrasse de cette tarée. Elle allait tuer encore du monde. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Sue? Venez par là, je vais vous découper en rondelles, moi aussi. Allez, venez par ici, maintenant. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Ah, fuis! Fuis! Je vous aurai. Vous verrez, je vous aurai. T'as vu ça? Il est tombé par terre. On dirait que quelqu'un l'a tué. Ce n'est pas terminé. Pourquoi il dit ça, celui-là? Ouais, ben au moins, on s'est débarrassé de lui. Allez, viens, on rentre. C'est enfin fini, cette fois. Tu l'as dit? Mais alors, il s'est passé quoi, au juste? J'en sais rien du tout. Mais au moins, maintenant, c'est terminé. Les filles, il y en a une d'entre vous qui aimerait aller me chercher à boire? Eh, vas-y, sers-toi tout seul. Bon, puisque je suis obligé...
Sou, téléphone pour toi. C'est ton père. Eh vas-y, pourquoi il m'appelle pas sur mon portable? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Bon, il t'attend. Ok, ça va. Oui, allô? Quel est ton film d'horreur préféré, Sou? Ah, tu te rends compte quand même? Il a dit que j'avais tué sa sœur. Alors lui, il a tué ma sœur, et moi, j'ai tué sa sœur. Mais n'importe quoi, c'est elle qui a commencé en vrai. C'est vrai ça, Irina, t'as raison. Mais c'est pas une justice. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Franchement, c'est pas juste. Vous parlez de quoi, les filles? Mais il a encore là, ce boulet. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Je t'ai pas dit d'aller voir ailleurs si j'y étais? Mais moi, je vous suis, parce que je vous aime bien. Vous parlez de quoi, les filles? Mais lui, franchement, je sais pas pourquoi je suis venu m'inscrire dans ton école. Parce que c'est le pire des boulets, ce gars-là. Pourquoi il te suit tout le temps? Eh vas-y, viens te battre! Oh, je vais t'éclater, moi! Lâche-moi, je t'ai dit! Lâche-moi! Oh, ça va! J'ai rien fait de mal, moi! Tu sais ce qui se passe encore là-bas? Je crois que c'est l'autre boulet, là. Il fait que les suivre. Ouais, franchement, moi, si j'avais quelqu'un comme ça qui me suivait partout, j'aurais pété un plan. Oh, ben, tu m'étonnes, Sœurette. Tu m'étonnes. Bon, alors, tu dégages ou quoi? Mais j'ai nulle part où aller, moi! Bon, vas-y, fais comme s'il était pas là. De toute façon, il sert à rien, ce mec. Ouais, ben, je disais, en fait, je crois que j'ai tué sa sœur. Mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi Irina s'est fait enrôler comme ça, quoi. Pourquoi s'est fait enrôler comme ça, Irina? On faudrait peut-être lui poser la question. Tu sais qu'elle a été arrêtée, du coup? Nous, on s'était enfuis. Alex, il est mort. Et du coup, ben, Irina s'est fait arrêter par la police. Ils sont en train de l'interroger en ce moment même. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Ben, qu'est-ce que j'en sais, moi? Ils essayent peut-être de récupérer des indices. Ils vont peut-être trouver qui est Ghostface. Ouais, moi, j'en ai marre. Il fait que m'appeler. C'est quoi, je vais finir par changer de numéro de téléphone, hein? Ah non, fais pas ça, hein? Ah, franchement, tu vas voir, c'est la misère. Tous les sites, tu vas devoir changer le numéro de réception, les SMS. Ah, c'est la galère. Et en plus, tu vas faire comment pour Instagram? Ah non! Ouais, t'as raison. Mais j'en ai marre qu'il m'appelle. Je vais bloquer son numéro, tiens. Mais il t'appelle pas en numéro masqué? Ah ouais, c'est vrai. On peut bloquer un numéro masqué? Tu devrais peut-être demander à la police d'essayer de tracer son numéro, non? Mais qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Je t'ai pas dit de te taire? Mais tu es encore là, sérieux? Oh, ça va, j'essaye d'aider, moi. Mais je t'ai dit, le calcule pas. On ferait peut-être mieux d'aller voir, non? Ouais, t'as raison. Ça va, les filles? Il se passe quelque chose? Ouais, c'est lui, là, il fait que me saouler. J'en ai marre. Bon, mon poteau, c'est bien sympa, mais on a déjà parlé, tu sais. Je te l'ai dit la dernière fois. Le terme lourd, tu comprends? Lourd? Comme un objet? C'est toi qui es lourd. Vas-y, arrête de nous suivre. Bon, franchement, je veux être sympa avec toi. Mais tu commences à être gavant, là. Alors va voir là-bas, quoi. C'est bon, arrêtez de le traquer comme ça. Si ça se trouve, il va finir par nous venir en aide. Non, mais t'es sérieuse? Ben ça va, il a rien fait de mal. Alors c'est vrai qu'il est lourd à toujours être dans les pattes, mais il vous a rien fait de mal au fond. Il est gentil. Ouais, vas-y, bah tu sais quoi? Je vais lui demander de te suivre. Oh, le lourd, là. Vas-y, suis-la, elle. Tu la colles. Autorisation gratuite. D'accord? C'est qui? Non, mais il fait exprès ou quoi? Bon, tu la suis pas. Tu suis personne, t'as compris? Et surtout pas à moi, hein. J'ai pas envie de t'avoir en arrière-plan quand je poste des photos Instagram, hein. Oh, ça va, j'ai compris. Bon, vous voyez? Ça sert à rien de le traquer comme ça. Ouais, ben j'aimerais bien t'y voir, toi. Sur ça, elle a raison. Bon, du coup, je propose qu'on aille voir au commissariat. J'aimerais bien parler à Irina. Sérieusement? À cette meurtrière? Ben ouais, elle a raison. Sou, franchement, ça craint. Ça craint d'aller là-bas. Sur ça, elle a raison. Se rendre au commissariat, parler à cette meurtrière. Ouais, mais vous comprenez? Moi, j'ai besoin de savoir qui c'est qui me poursuit comme ça. J'en ai marre qu'on m'appelle. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu peux même plus être tranquille la nuit. Comment tu vas faire? T'imagines, t'es en train de dormir tranquille et l'autre idiot t'appelle? C'est ça le problème. Je peux même plus découvrir les films d'horreur. Ils me spoilent tout. Ouais. Bon, on va venir avec toi, du coup. J'aimerais bien en savoir plus aussi. On te suit, Sou. Ça va. On part après la récréation. Bon, on y est, John. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Allez, suis-moi. Salut les gars, on vient voir la prisonnière. Bonjour inspecteur,
Elle est en cellule 2. Je vous remercie. Elle a dit quelque chose ? Absolument pas. Elle a refusé de nous parler. En soi, je suis pas surpris. Bon, on va l'interroger. Bonne chance, inspecteur. On y va. Avec nous, tu vas voir. Elle va parler. Irina ? Irina Smith ? Oui, qu'est-ce que vous voulez ? On aimerait vous parler. On va vous amener dans la cellule d'interrogatoire. On a des questions à vous poser. Et si j'ai pas envie de parler ? La collaboration dépend de vous. Si vous avez envie de réduire votre peine. Mais si vous voulez passer le reste de votre vie en prison, c'est votre choix. Bon, ça va, je vais venir avec vous. Très bien. Allez, suivez-nous. C'est ici. Rentrez. À toi, John. Très bien, asseyez-vous. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Bien. Donc, vous savez que votre procès arrive dans pas longtemps. Oui, je suis au courant, oui. Et vous aimeriez quand même réduire votre peine. Ah, ça oui, clairement. On aimerait avoir plus d'infos sur le mobile. Donc, vous dites qu'il vous a forcé. Mais comment c'est possible? Pour quelles raisons est-ce qu'il vous a forcé? Et on aimerait savoir s'il y a d'autres complices à part vous. Je peux pas vous donner trop de détails. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été manipulé par Alex. Oui, ça on l'avait compris. Mais pourquoi? Vous a manipulé comment? Mon frère est incarcéré dans une prison, non loin d'ici. Et en fait, il a des relations à l'intérieur de la prison. Il connaît des personnes. Poursuivez. Et le problème, c'est qu'en gros, il a menacé de faire du mal à mon frère si je l'écoutais pas et si je faisais pas ce qu'il me demandait. Ok, donc il a fait du chantage. Mais vous étiez pas obligé d'accepter. Vous auriez pu prévenir les autorités. Il aurait su de toute façon. Il a plein de contacts. Et croyez-moi, effectivement, il n'est pas seul. Il a un autre complice. Je sais pas qui c'est, mais c'est lui le véritable Ghostface. Le véritable Ghostface ? Vous croyez tout savoir ? Mais Ghostface, c'est pas juste des meurtriers comme ça aléatoires. C'est une organisation. Et il y a un chef derrière tout ça. Mais je ne sais pas qui c'est. Mais c'est lui qui dirige tout. Une organisation, vous dites ? Est-ce que vous savez par hasard si Alex possédait d'autres biens, excepté la maison dans laquelle on a retrouvé tous les costumes ? Oui. Il avait une maison. Je sais pas si vous vous souvenez la forêt. La forêt ? Vous parlez de la grande forêt interdite ? C'est ça. Il y a un manoir à l'intérieur de la forêt. C'est ici qu'il créchait, il me semble. Vous trouverez peut-être quelque chose là-bas. C'est extrêmement intéressant tout ça. On va aller y jeter un œil. Vous avez d'autres infos à nous donner ? Faites juste attention. Des Ghostface, il y en a partout. Qu'est-ce que vous voulez dire par partout ? Ils se cachent dans toutes les organisations. Et ça, je peux vous l'assurer. Ok, merci du tuyau. Bon, on va aller y jeter un œil à cette maison. Je peux retourner dans ma cellule maintenant ? Oui, oui, on te raccompagne en cellule. Inspecteur ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, sergent ? On a besoin de vous. Il y a les personnes qui sont parties à l'accueil. Ils sont partis en mission. Du coup, je suis tout seul. Écoutez, sergent, on est sur une enquête, là. Je comprends bien, mais comment je fais, moi ? Il semble qu'il y a de nombreux enfants à l'accueil. Je vous invite à aller leur parler. Apparemment, ils veulent quelque chose. Bon, ok, ça va, j'y vais. John, je te laisse la raccompagner. Je vais chauffer le moteur. Ok, je te rejoins. Bon, je vais à la voiture. Qu'est-ce que vous voulez, les enfants ? On souhaiterait parler à Irina. C'est possible ? Oui, on a des choses à lui demander. Irina a été arrêtée. T'en as mis du temps, qu'est-ce que tu faisais ? Écoute, le temps de la mettre en cellule. Les gosses voulaient parler à la suspecte. Ah, comme ça, ils la connaissent. C'est intéressant, ça. Bon, viens, on y va. La maison se trouve à l'autre côté de la ville. Écoutez, il faut impérativement que je lui parle. Sinon, je m'énerve. Descendez là, jeune fille. Vous voulez quand même pas que je vous mette en cellule avec elle ? Vous voulez lui demander quoi, d'abord ? C'est une amie. On a des questions à lui poser. Allez, s'il vous plaît, soyez pas comme ça. On aimerait savoir. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de lui parler, monsieur l'agent ? Elle a été arrêtée pour crime. Donc elle a pas le droit de sortir d'ici. D'accord, mais en quoi ça nous empêche de lui parler, au juste ? La suspecte n'a le droit de parler à personne. Même pas à vous. S'il vous plaît, soyez pas comme ça. Moi, je peux appeler mon père, hein ? Il est juge. Je suis sûr que vous avez pas le droit de nous empêcher de la voir. Il me semble que c'est pas dans la loi, ça. Comment ça, ton père est juge ? Eh ben, il m'en a déjà parlé. Normalement, elle a droit aux visites. Vous voulez que je l'appelle ? Non, c'est bon. Vous pouvez y aller. Mais je vous laisse 5 minutes.
Pas plus. Y a intérêt, ouais. Ok, on va voir. Mais ouais, je savais pas que ton père était juge. Faut le dire plus tôt. Ah, mais c'est bon d'avoir un ami comme ça. Ton père est juge alors? Vous voyez, je vous l'avais dit que c'était utile de le prendre. Ah, mais ça, j'y crois pas, quoi. Bon, allez, venez, on va voir. Il faut qu'on parle à Irina. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous me voulez quoi? Il fallait qu'on te parle, wesh. J'aimerais savoir pourquoi t'as fait ça. C'est pas cool. Explique-nous ce qui s'est passé. Apparemment, on t'aurait menacé. J'ai pas trop compris. Vas-y, dis-nous tout, Irina. Depuis le temps qu'on se connaît... Faites juste attention. Il rôde encore dans les parages. Et il est dangereux. Mais tu en as parlé à la police? Oui. Ils sont partis dans son ancienne baraque. Mais y a pas que ça. Bah vas-y, dis-nous tout, y a quoi? Les enfants, ça fait déjà 2 minutes. Je vous surveille, hein. Oh, ça va le lourdeau, on a le temps. Franchement, ça devient lourd, là. Laissez-nous tranquille, on lui parle. Et donc, tu disais? Je disais que la police était venue. Ils m'ont posé des questions, je les ai envoyés vers la maison abandonnée. C'est une ancienne maison qui appartenait à Alex. Bah, je crois qu'il crèchait là-bas. Mais pour nous, t'as pas d'autres indices? Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller dans cette maison? Honnêtement, je pense que ça va les mener à la piste suivante. Mais pour éviter de vous faire perdre du temps, vaut mieux que vous y alliez de vous-même. Il y a une usine abandonnée à l'extérieur de la ville. Je crois que le complice crèche là-bas. Et je vous préviens, il est extrêmement dangereux. D'accord, et donc tu veux qu'on s'y rende? Mais t'es malade? Ah non, moi j'ai pas envie de mourir, hein. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si ça continue, il va y avoir d'autres morts. On peut aider la police. Moi je vais le crever, wesh. J'en ai marre qu'il m'appelle. Je vais lui dire de enlever mon numéro de son répertoire. Soyez prudents tous. Vous risquez vos vies quand même. Pour moi, c'est trop tard maintenant. Je sais où se trouve cette usine. Si vous voulez, je vous y amène. C'est vrai ça? Tu le ferais? Ouais, mais faut que je vous prévienne. On n'arrivera pas là-bas avant la nuit. La nuit? Mais pourquoi toujours la nuit? Tu veux qu'on meure? C'est ça, tu veux qu'on meure? Mais non! Mais c'est loin! Ok, ben faut qu'on prenne de l'éclairage. Attendez, vous voulez aller voir un meurtrier? Juste avec une lampe torche? Il faut se défendre. On peut pas y aller comme ça. On risque de mourir cette fois. Wesh, moi j'ai mon canif, quoi. Prendre mon canif. Vous devriez prendre mon couteau. Celui que j'avais. Et il est où ton couteau? Il est dans la banque. Vous savez là où vous m'avez trouvé? J'ai pu le cacher avant de me faire arrêter. Vous pouvez le récupérer si vous voulez. Il vous sera utile. Wesh, t'es sympa, surette. Je vais aller chercher des spas. Maintenant. Le temps est écoulé, les enfants. Laissez votre place. Eh, c'est bon, vas-y. On y va, nous. Elle a raison, faut qu'on parte. Ah là là, ces enfants. C'est ici. Mais on va pas pouvoir aller plus loin. La voiture ne passera pas ici. Tu veux traverser cette forêt? Bah ça va, il fait jour, tu as peur? Absolument pas. Allez, viens. Effectivement, il avait raison. Je vois une maison de l'autre côté. Ouais, je la vois aussi. Regarde, c'est juste là. Ça devait être la maison dans laquelle il habitait. Attends une seconde. Vaut mieux qu'on reste prudent. Je te conseille de prendre une arme. Au cas où, quoi. Tu as raison, allons-y. Allez, suis-moi. Bon, pour le moment, la maison a l'air d'être vide. Je vais ranger l'arme, mais je vais quand même la garder au cas où. Ok, je te laisse fouiller. Je fais l'étage. Très bien, je m'occupe du rez-de-chaussée. Bien. Il n'y a rien de spécial ici. Cette maison a l'air complètement vide. Qu'est-ce qu'il était en train de fabriquer là? Pourquoi est-ce qu'il creusait dans son sous-sol? Du moins dans le salon. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette baraque? Tiens, une chambre. On va fouiller les tiroirs. Je me demande si John a trouvé quelque chose. C'est quoi cette maison? Elle est en ruine. Le mec, il met des bottes de terre de partout. On se croirait dans la jungle. C'est Jurassic Park le truc ou quoi? Bon, je vais jeter un œil ici. Il y a vraiment rien de ce côté. J'ai fait le tour de la maison. Peut-être le garage. Il va falloir forcer la porte. J'ai l'impression de fouiller une poubelle. Franchement, j'ai l'impression de perdre mon temps. Il n'y a rien ici. John! Je vais avoir besoin de ton aide. John, tu m'entends?
Ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Viens, je vais avoir besoin de ton aide pour ouvrir ce garage. Ok, forçons le garage. Et on n'a pas de mandat. S'il y a quelqu'un qui nous voit, on va être bien. Il faut qu'on en sache plus. Alors viens. Allez, on essaye de l'ouvrir. Eh ben, ça aura pas été sans peine. Je me demande pourquoi ils ont blindé la porte comme ça. Sûrement quelque chose à cacher. Viens, on fouille. Doit y avoir quelque chose. C'est sûr qu'il a dû planquer un truc ici. Eh ben, tu vois, on n'aura pas perdu de temps. Explique-toi. Apparemment, il possédait aussi une usine. Une usine abandonnée à l'extérieur de la ville. Une usine abandonnée? C'est une planque parfaite, ça. Je pensais à la même chose. Faudrait qu'on aille y jeter un œil. Par contre, je te préviens, c'est loin. Est-ce qu'on a le choix? Bon, allons-y. C'est ici, les gars. On est arrivés. Eh ben, franchement, je pensais pas que t'étais aussi utile, Elvis. Tu m'impressionnes. Ouais, ça serait bien que tu nous expliques par rapport à ton père, le juge. C'est vrai que c'est sympa d'avoir un ami comme toi. Oh là là, ils sont pas possibles. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça serait bien qu'on entre. Qu'on sache. Ouais, mais il y a forcément quelqu'un à l'intérieur. Il y a de la lumière, en tout cas. Si ça se trouve, c'est pas forcément lui. Moi, je propose qu'on aille y jeter un œil. Ouais, ben, je passe pas devant. Allez, c'est bon, allons-y. Il y a un conteneur de ce côté. On ferait mieux jeter un œil. Il y a un ordinateur là-bas. Il y a peut-être des infos à l'intérieur? Ouais, c'est ça, allez-y. Il y a plein d'infos à l'intérieur. Bon, mais on fait quoi? Qui c'est qui va voir? Bon, c'est bon, je me dévoue. Vas-y, on te filme. Il a peur de rien, celui-là. C'est un brave. Ouais, ben tu connais la définition des héros. Il y a un ordinateur ici, les gars. C'est incroyable. Il y a plein d'informations sur nous. T'es sérieux? Oui, oui, c'est vrai, venez voir. Ça, ça sent pas bon du tout. Moi, c'est hors de question que j'y aille, hein. Mais on voit rien ici. Attention derrière toi! Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, Sou. Oh mon Dieu! J'ai tout filmé! Il faudrait fuir, non? Viens par là! Viens faire le malin! Comme tu voudras, Sou. L'usine est juste ici. Tiens, il y a des enfants qui courent, là. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Pourquoi vous fuyez comme ça? Évitez-nous, s'il vous plaît! Il y a un tueur dans l'usine! Ouais, il nous poursuit depuis tout à l'heure! Mais comment ça, un tueur dans l'usine? Mais où est passé Sou? Allez, couvre-moi, John! Attends une seconde, je vois que dalle ici. Il y a quelqu'un en face! Bougez pas! Pas un geste! Il s'est enfui! Il y a une gamine ici, John! Poursuis-le! Il est monté! Il a tué mon copain! Tu sais qui c'est? Absolument pas! Mais appelez des secours, s'il vous plaît! Les urgences, j'écoute! Oui, allô, Descartes Prime à l'appareil! Matricule 6768. Une personne est à terre. On a besoin de secours à l'usine désaffectée à l'extérieur de la ville. Très bien, on vous envoie des renforts, inspecteur Prime. Bon, très bien. Ils arrivent. Il faut que vous nous aidiez, monsieur l'inspecteur. J'en ai marre, moi. Il fait que me poursuivre. On va en discuter au commissariat. J'ai fouillé en haut. Il s'est enfui par une fenêtre. Bon, ok. On le rattrapera de toute façon. C'est qu'une question de temps. J'ai rien pu faire, je suis désolé. Il est passé par-dessus le grillage. Et dans la nuit, comme ça, on voit que dalle avec son costume. On l'aura, John. On va ramener les enfants. Les enfants, rentrez dans l'usine! Restez pas dehors tout seul! Bien, il va falloir que tu nous expliques ce qui s'est passé exactement. Ben, en fait, on est revenu avec mes amis. On a suivi une piste. C'est une amie qui nous l'a donnée. Elle nous a parlé de l'usine désaffectée. On pensait le trouver ici. Et il était là. Bien. Donc vous venez l'enquête de votre côté avec tes amis, c'est ça? Ouais, on était sûr de le trouver. On était sûr qu'on allait le choper, le mec. Elle a raison, on aurait pu l'avoir. Mais il va mourir? Tu sembles être le seul à te préoccuper de lui. Non, il va pas mourir. Les secours arrivent. S'il vous plaît, sauvez-le. Il faudrait qu'on sorte d'ici, on n'est pas en sécurité. Mon collègue a raison, je vais rester avec votre ami. John va vous raccompagner. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Merci, monsieur l'inspecteur. Y a pas de quoi. Je vais appeler des renforts pour qu'ils examinent la scène de crime. Ok, je les raccompagne. On y va les enfants? C'est dangereux de rester là. Wesh, il a raison. Faut qu'on parte. Bon, je vais aller jeter un œil en haut. Il doit y avoir de l'éclairage. J'ai repéré des lampes. Donc à mon avis, on doit pouvoir allumer la lumière.
Ah, c'est bien ce qui me semblait. Bien, c'est éclairé maintenant. Vous allez pouvoir y aller. La scène est un peu moins effrayante. Bon, allez-y. Et soyez prudents. Il y a des gens dangereux qui rôdent ici. Bon, je vous rassure. Votre ami est en sécurité. Il est sain et sauf. Les urgences ont réussi à le soigner à temps. Ouf, j'ai eu peur pour lui. Le pauvre, il a pas vu venir celle-là. Encore un meurtrier dans la nature. Mais il y en a combien, bon sang? C'est vrai, ça. Ça s'arrête plus. Moi, je veux juste qu'il arrête de m'appeler, c'est tout. J'ai rien fait. Vous en faites pas. On a la situation en main. Mais on a besoin de votre collaboration. C'est vrai, John a raison. Donc on se présente. Je suis l'inspecteur Descartes Prime. C'est l'inspecteur John Wish. D'après ce que j'ai compris, vous êtes mêlé à cette histoire depuis le début. Ça serait bien de nous en dire plus. Bah, l'histoire, elle a commencé dans un hôtel. J'étais parti en vacances avec les amis. Ils se sont tous fait trucider, quoi. Et après, ils ont tué ma sœur. Vous vous rendez compte, ma sœur? Ma propre sang? Mon sang, quoi? Le sang de la veine? Franchement, j'ai la haine. T'en fais pas, Sou. On est là. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux m'expliquer dans le détail? Bah après, j'ai trouvé qui c'était, la traîtresse, là. Et moi, je lui ai mis une balle dans l'œil. Parce que, bah, comme ça, elle parle plus. Parce qu'elle voulait que je la laisse. Ah non, mais attends, elle a tué ma sœur. C'était pas le meilleur choix à faire. Si on l'avait arrêté, on aurait pu l'interroger. C'était de la légitime défense, John. Bah oui, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et du coup, après, il s'est passé quoi? J'étais pas là, moi. Bah après, la police, ils m'ont laissé partir. Et je suis partie avec les amis. Et c'est là que j'ai rencontré Sylvie. Et après, on a fait une vadrouille. Ouais, j'étais à l'extérieur de l'hôtel, avec des amis. On était perdus, quoi. Et avec son groupe, ils nous ont proposé de nous aider. Alors on les a suivis. Ouais, c'est là qu'on a rencontré Alex. Et en fait, Alex, c'était le sang de la veine. Le sang de la veine du tueur, quoi. Le sang de la veine du tueur? Ouais, il a dit qu'il était frère de sang avec le tueur. Et du coup, bah, il a essayé de nous tuer aussi. Et après, il est mort. Alors, on n'a pas compris, nous, hein. On est partis en courant. Il est mort? Mais qui c'est qui l'a tué? C'est Irina? Bah, j'en sais rien, moi, monsieur l'agent. Nous, on est partis. Il est mort. Voilà. On est rentrés. Et après, on a fait la fête sur le bateau. D'accord, vous avez fait la fête sur le bateau. Donc c'était terminé? Ben non, monsieur! Il a encore mon numéro, le gars! Donc il m'appelle, il me dit sou, et après il raccroche! Ou il me parle de films d'horreur! J'en ai marre! Il arrête pas de me spoil! Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'en fait, il fait que la traquer. Et elle pense qu'il en a après elle. Oui, ben comme ça, c'est plus clair. Ben quoi? C'est ce que j'ai dit! Il me traque, quoi! Il veut ma vie! Vous pouvez pas nous aider? Vous pouvez forcément l'arrêter! On va collaborer ensemble pour ça. Bon, déjà, première chose. Vous avez trouvé l'indice grâce à Irina. Est-ce qu'elle vous a dit autre chose? Non, pas vraiment. Elle a juste parlé de ça. Mais dans tous les cas, de toute façon, il est forcément quelque part où s'est abandonné. De toute façon, il reste pas tout seul. Quoi, il se met pas en groupe. Et il est pas dans la ville. À chaque fois, il fait ça, de toute façon. Donc, selon vous, faudrait fouiller encore dans une zone abandonnée? C'est le mieux à faire, monsieur l'inspecteur. Si vous pouviez le trouver avant nous... Comment ça avant vous? Vous êtes pas en sécurité si vous faites ça. Vous vous mettez en danger. Ouais, mais comment vous voulez qu'on fasse? Les autorités font rien. Et on va finir par se faire kill à la fin. Non mais faites quelque chose s'il vous plaît. Et ouais, dis-nous quoi. La police. La police. Très bien, on va commencer les recherches par ça. Tous les lieux abandonnés. Bon, après, vous pouvez toujours scruter les environs. Si vous repérez quoi que ce soit, vous nous appelez, on rappliquera de suite. Mais surtout, ne vous mettez pas en danger. Prenez pas de risques inutiles. Oui, il en va de votre vie. Ça va, on y va en éclaireur. Et si on trouve un truc, bah on vous appelle. Ouais, on vous appellera. Mais on se mettra pas en danger, ça c'est sûr. Ah non! Et comment y va notre collègue? Il avait quoi au juste? Comment ça, il avait quoi? Il était avec vous, il s'est fait poignarder. Ah, c'est ça qui lui a fait du mal? Non mais toi, t'es complètement crétin ou quoi? Il sert à rien ce gars-là! Non, je pense que ton père est juge. Non mais sérieusement, c'est quoi cette question? Tu l'as vu se prendre un coup de couteau, tu crois qu'il est tombé par terre, pourquoi? Oh là là, franchement d'habitude je te défends, mais là tu me fais de la peine. Hein. Oh ça va, moi j'y connais rien. Il a pas la lumière à tous les étages celui-là. Bon, suffit de parler. On va passer à l'action. On va fouiller les environs, si vous trouvez quelque chose, vous nous appelez. Une église abandonnée, ça pourrait être là. En tout cas, il y a de la lumière à l'intérieur. Ça fait flipper. Pourquoi toujours on y va la nuit?
Sur ça, elle a raison. On aurait pu attendre demain matin. Plus vite on le trouve, plus vite on l'arrête. Sur ça, il a pas tort, wesh. Allez, on va voir. Il y a une vitre là-bas. Je suis sûr qu'il y a un truc derrière. On voit quelque chose là-dedans. Tu ferais mieux d'éteindre ta lampe. T'es malade? Wesh, t'as raison. Je vais l'éteindre. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Je crois que c'est lui. On ferait mieux d'appeler la police. Ils nous ont dit de les appeler si on le trouvait. Ouais, sur ça, elle a raison. Moi, je rentre pas dans l'église, hein. On va pas faire comme dans l'usine. Allô? Allô? Inspecteur Descartes Prime. Wesh, allô? Je vous en rappelle parce que ils nous ont dit... Vous êtes sous, c'est ça? Ah, oh, vous allez pas commencer vous aussi? Tout le monde qui m'appelle comme ça? Oui, pourquoi vous m'appelez? On l'a trouvé, wesh! Il est dans l'église! À l'extérieur de la ville! Très bien! Alors n'entrez surtout pas dans l'église! D'accord? Vous restez à l'extérieur! Vous vous camouflez, on arrive! Wesh, je sais pas ce qu'il est en train de faire! Mais en tout cas, il fait rien, quoi! Ne bougez pas d'où vous êtes! On arrive tout de suite! Ok, ok, ça va! On bouge pas, wesh! Voilà, c'est beau, ils arrivent! Ouais, ben j'espère qu'ils vont arriver vite. Je commence à flipper, là. L'église se trouve ici. C'est là. Tiens, les enfants sont ici. Ah, vous êtes enfin là? Vous avez mis du temps, wesh! Il aurait pu nous trucider 6 fois! Vous en faites pas, on a la situation en main. Bon, restez à l'extérieur, près du véhicule. Je vais entrer avec John. S'il vous plaît, faites en sorte qu'il arrête de nuire. Ouais, je veux pas qu'il tue quelqu'un d'autre encore. C'est vrai ça. Tuez-le. On va pas le tuer pour rien, les enfants. Si on peut l'arrêter, c'est mieux. Allez, viens, John. On en finisse. Pas un geste. Retournez-vous lentement. Mettez les mains en l'air. Parfait. Maintenant, vous ne bougez pas. John, je te couvre, vas-y. Ok, j'y vais. Passe-lui des bracelets à celui-là. Je vous préviens, au moindre faux pas, on vous met une douille. Vous ne bougez pas. Pourquoi est-ce qu'il parle pas? Ça me fait flipper, ça. J'en sais rien du tout. Mais je le trouve un peu trop calme pour être sympathique. Il est armé! Ne faites pas un mouvement. Tournez-vous. Et lâchez cette arme. On a échappé belle. J'avoue. Heureusement qu'on a de bons réflexes. Malheureusement, on ne saura jamais s'il y avait d'autres personnes. C'est pour qui les kebabs, wesh? Qui c'est qui a demandé le kebab? C'était pour moi. Personne d'autre veut le kebab? Ah, c'est bon, Sou, avec ton kebab. J'ai pas envie de grossir, moi. Bah attends, le kebab, c'est la vie. Personne veut du kebab? Oh, j'ai plus envie de manger. J'en peux plus, moi. Moi, c'est pareil. Je suis au régime. Ben, moi, j'en veux bien, du coup. Si je peux m'en faire une deuxième part. Ok, ça va, je prépare ça. 2 kebabs parti. Bon, et du coup, par rapport à ce tueur, alors, ça y est, on en est enfin débarrassé? Il semblerait, ouais. En tout cas, ça fait plaisir de revoir notre ami. Ouais, je l'ai échappé belle. Franchement, c'était chaud, hein. À qui le dis-tu? Nous, on a stressé qu'on n'en pouvait plus à ta place. Franchement, je suis contente qu'il te soit rien arrivé. Bah, rien arrivé? Je me suis fait poignarder, quand même. Ouais, mais ça va, t'es vivant, quoi. Bon, arrête de faire ton difficile. T'es vivant. Et en plus, tu manges des kebabs. Et vous pensez qu'il y en a un autre qui va revenir? Ça me surprendrait pas. Arrêtez de stresser. C'est terminé cette fois. Ils sont tous en prison. Je veux sortir d'ici. J'en peux plus de cette cellule. Je vais pas être enfermé toute ma vie quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir, Irina. Non, j'ai pas parlé. Je vous promets, je l'aurais régi. C'est trop tard. Vous savez pourquoi on est ici? Bah ouais, tu veux nous interroger, wesh? Bon, c'est bon, calme-toi, Sou. Dès le départ, comme ça, tu enchaînes. Il t'a rien fait, le policier. On aimerait avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé, par rapport à Irina. Vous pouvez nous en dire plus? Bah d'après ce que j'ai compris, elle s'est fait tuer par un tueur. C'est mieux que t'arrêtes de parler, en fait. Ça me fatigue déjà. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il fait dans votre groupe, celui-là? Bon, c'est pas le sujet. Alors, par rapport à Irina, ce qui lui est arrivé, c'est effectivement, il semblerait qu'un Ghostface l'ait attaqué. Mais on en a appris un peu plus quand même, de Irina, du moins. Comment ça, Ghostface l'a attaqué, wesh? Ghostface, il est mort?
Vous l'avez tué? Je l'ai vu. Il est tombé par terre. Il s'est pris la douille. Il était par terre. Je confirme, vous l'avez tué. Je comprends pas. Comment c'est possible? Donc un Ghostface a tué Irina? Mais pourquoi? Irina nous a fourni des informations qui semblaient confidentielles. Elle nous a informé qu'en fait, il y avait une armée de Ghostface. Ou enfin, une organisation. Une armée? On n'en sait rien du tout de ça. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont plusieurs. Et ils l'ont prouvé. Comment ça? Plein de Ghostface dans la ville? Mais ils nous veulent quoi à la fin? Ouais, ils ont tous mon numéro, wesh! Mais je comprends pas, ils font que m'appeler. Pourquoi ils m'appellent à moi? Ils ont pas d'amis ou quoi? Il y en a plein des gens dans la ville. S'ils veulent, je leur fais Tinder, moi. Sur Tinder, ils vont trouver des copains. Ça n'a pas de rapport, je pense. Il y a forcément une raison. Tu dois être lié de près ou de loin à l'organisation. Ou au tueur. Ton père, il est pas mafieux à la base? Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est pas parce que mon père, il a fait de la prison, qu'il y est resté 5 ans, qu'il a tué 3 personnes, que c'est un mafieux. Il a rien fait. Oh, c'est bon, laissez-le maintenant. Et il a ses tatouages, c'est bon. Moi, je pense qu'effectivement, ses parents n'ont rien à voir dans l'histoire. Son père a l'air vraiment quelqu'un de bien. Ah ben lui, alors? Bon, laissez-la tranquille maintenant. Inspecteur, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez relevé des indices sur le corps de Ghostface? Non, on n'a pas encore été voir le légiste. Il devrait nous en dire plus. En revanche, je vous invite à arrêter de vous mêler de cette affaire. Vous risquez vos vies à chaque fois. Même si vous nous faites avancer, c'est un peu dangereux pour vous. Wesh, mais moi, je veux qu'il arrête de m'appeler. Il fait que m'appeler, moi. C'est bon, qu'il me lâche, quoi. Vous voulez pas lui donner un autre numéro? Et il efface le mien? Moi, y a personne qui m'appelle. Si tu veux, je fais un renvoi d'appel sur ton numéro. Comme ça, il va te faire salut, sous. Il va te parler de cauchemars. Il va te parler de films d'horreur. Il va te spoil. Et tu pourras plus regarder la télé derrière. Non, c'est bon, j'ai pas envie qu'un tueur en série me contacte. Moi, je veux bien. Tu veux bien me l'envoyer sur mon téléphone? Ça peut être sympa de discuter avec lui. Non, mais c'est un idiot, celui-là. Ah ben tiens, vas-y, envoie ton numéro. Il faut pas donner votre numéro de téléphone. Il faut pas qu'il vous contacte à vous. Vous risquez de mettre vos vies en danger et celles de vos familles. John a raison, c'est trop dangereux. Nous, de notre côté, on va aller voir le légiste. Il faut qu'on examine le corps pour en apprendre un peu plus sur son identité et s'il faisait partie d'une organisation. Et nous, on fait quoi de notre côté? Je vous invite à rentrer chez vous et à ne plus vous mêler de cette affaire. Ouais, mais moi, je fais quoi s'il m'appelle? Oh, c'est bon, hein? S'il t'appelle, Sou, tu me contactes et tu me le dis. Au pire, tu peux me laisser ton téléphone. Jamais de la vie! C'est mon téléphone, il y a mes photos, jamais. C'est bon, Sou, tu pourrais lui passer. Non mais attends, t'es arrivé ou quoi? Vas-y, donne-lui ton téléphone, toi! Non mais t'es arrivé ou quoi? Et comment je fais avec Instagram? C'est hors de question! Moi, j'ai mon vlog à tenir! Franchement, vous devriez laisser votre téléphone. C'est trop dangereux. Moi, je veux bien vous donner mon téléphone. Comme ça, vous m'appelez? Non, sans façon. On en a pas besoin. Bon, si Sou veut pas donner son portable, c'est son droit. Bon, dans tous les cas, nous, on va enquêter. On va se rendre chez le légiste. On va en apprendre plus sur l'affaire. Et vous rentrez chez vous, surtout. Et arrêtez de prendre des risques. Vous risquez vos vies, comme je vous l'ai dit. Et y a pas que vous. Y a vos familles aussi. Ouais, vas-y, je rentre à la maison, moi. Mon père, il va tout m'expliquer sur les trucs, l'organisation. Franchement, tu devrais pas t'en mêler, Sou. Allez, viens, on rentre à la maison. Question G? Je pense qu'ils vont pas nous écouter. Je pensais la même chose que toi. Bon, au final, je suis content qu'ils aient changé la couleur du véhicule. Je l'aimais pas trop en blanche. Ouais, pour ce que ça change pour moi. Bah, ça reste quand même une bonne voiture. Bon, allez, viens, on va voir le légiste. Normalement, il nous attend. Ils sont en congé ou quoi? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ah, ça y est, vous êtes enfin là. Je vous attends depuis le début de l'après-midi. Oui, excusez-nous. On a eu un petit empêchement. On devait interroger des témoins. Bien. Qu'est-ce que vous avez découvert? Ok. Bon alors. Le seul signe distinctif que j'ai trouvé chez lui, c'est le tatouage qu'il a sur le bras droit. Un tatouage sur le bras droit? Et vous savez ce qu'il signifie? Il semblerait que ce soit une marque de gang. Ou d'appartenance à quelque chose. Une marque de gang? Mais de quel gang pourrait-il s'agir? Aucune idée. Mais j'ai déjà eu affaire à ces gars-là. Et honnêtement, je vous invite de pas vous frotter à eux. Comment ça? Tu peux être plus précis? C'est une organisation secrète. Qui erre dans la ville. D'accord. Donc faut faire attention. Ne vous frottez pas à eux. Ils sont dangereux. On note. Et vous avez pu en apprendre un peu plus sur son identité? Malheureusement, il avait pas ses papiers sur lui. Oui, bah ça, on n'est pas surpris. Et puis, vu toutes les balles que vous lui avez tirées, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en tirer de son corps.
Ouais, j'imagine bien. Bon, on n'a pas eu trop le choix aussi. Il a essayé de nous attaquer. Mais vous avez pris un risque quand même. Dans ce cas-là, on fait quoi alors? Ça peut nous mener sur une piste. Déjà, on sait qu'il fait partie d'un groupe secret. Donc il faut qu'on mène l'enquête là-dessus. Et puis, de toute façon, il faut qu'on découvre pourquoi c'est en lien avec Ghostface. Et quelle est l'identité du groupe. Ouais, ça promet tout ça. Avec tous les crimes qu'il y a eu, si ça se trouve, c'est la même organisation depuis le départ. Mais pourquoi? C'est à vous de le découvrir, inspecteur. Bien, on vous remercie. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas. Je vous tiens au courant. Bon, parfait. Allons-y. Essayons d'en savoir plus sur cet orga. Let's go. Bon, il va falloir qu'on y aille, mais je sais pas par où commencer. À ton avis? Il faudrait qu'on enquête dans les environs. Il y a peut-être des lieux suspects qu'on n'a pas encore visités. Ouais, on va faire le tour de la ville. Peut-être qu'on trouvera quelque chose. Oui, allô? Oui, Sou? Inspecteur? Je pensais pas que vous alliez me rappeler. Je croyais que c'était fini. On a eu quelques informations, c'est pour votre culture personnelle. Apparemment, le tueur faisait partie d'un groupe secret. Un groupe secret? Mais quoi comme groupe secret? Une organisation criminelle qui sévit dans la ville. Ça explique pourquoi il y a eu plusieurs Ghostface. Ah mais je comprends mieux, wesh! C'est pour ça qu'ils ont tous mon numéro! Il faudrait peut-être creuser de ce côté. Notre côté, on continue nos recherches. Très bien, pas de soucis, wesh! Bon, on vous appelle, on vous tient au courant. Ah, vous savez quoi? C'était qui? C'était l'inspecteur, là, Decker Prime. Et qu'est-ce qu'il voulait? Bah apparemment, ça serait un groupe secret, ou un truc comme ça, là, qui fait partie de l'organisation. C'est pour ça qu'il y a plein de Ghostface. T'es en train de perturber ma vidéo. Arrêtez de faire du bruit. C'est pas parce qu'on est dans une bibliothèque qu'on a le droit de parler. Désolé du retard. J'étais occupé. Oh mais c'est pas possible. Même ici il va venir. Ouais mais qu'est-ce que tu fous là toi? Oh on t'a pas dit où on était. Comment t'as fait pour nous trouver? Bah c'était pas compliqué. Et t'as pas répondu vraiment à ma question. Du coup on fait quoi nous? Pourquoi il te l'a dit à toi? Vous me fatiguez à la fin. J'essaye de prendre des photos, là. Oh, c'est bon, là, avec tes photos. Bah, en fait, il m'a expliqué, je pense qu'il veut qu'on investigue. Qu'on cherche un peu, quoi. En plus, on a la bibliothèque. On peut trouver des trucs. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça. On pourrait peut-être se renseigner. Se renseigner? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on trouve? Vous voulez vous renseigner sur quoi? Qu'est-ce que vous faites? On est en train d'essayer de trouver à quoi correspond l'organisation criminelle. Apparemment, c'est eux, les Ghostface. Et ils veulent tous nous dégouiller, quoi. Moi, j'en ai marre. Ben, je peux vous aider, moi. Je suis assez bon dans les recherches. Sérieusement? Ah ouais? Et tu regarderais où? Ben, juste là. Il y a un ordinateur. On peut chercher directement dedans. Je devrais pouvoir trouver quelque chose là-dedans. Ouais, ben, vas-y, cherche. Et si tu trouves, ben, tu nous dis. Nous, on cherche dans les livres en attendant. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça. Ok. Si tu trouves, dis-nous. Ça nous fera gagner du temps. Ouais, allez-y, cherchez. Pendant ce temps-là, moi, je continue mon truc. Elle est sérieuse, elle? Bon, vas-y, Sylvie, aide-nous, quoi. Mais je vous aide, là. Je demande à mes followers ce qu'ils en pensent. Quoi? Mais t'es sérieux? Mais ne leur parle pas de l'enquête sur Internet. T'es malade. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je leur parle pas de l'enquête. Je leur montre mon maquillage. Ah, j'en ai marre. Bon, venez, on cherche. Ouais, t'as raison. J'ai trouvé quelque chose. Sérieux, wesh? T'as trouvé quoi? Apparemment, c'est un groupe secret mystérieux qui réside dans la ville depuis des décennies. Donc en fait, c'était pas juste un petit groupe comme ça. Ça veut dire que c'est une organisation qui sévit depuis longtemps. Ouais. Et c'est super intéressant du coup. Là, il y aura des trucs à raconter sur mon Insta. Vous imaginez pas le nombre de followers que je vais prendre. Mais vas-y avec ton Insta, toi. Rends compte, il y a une organisation criminelle. Ils tuent tout le monde dans la ville. Et toi, tu penses juste à tes vidéos? La popularité. C'est ça le plus important dans la vie. Il faut que les gens t'adorent. Du coup, on va faire comment, Elvis? T'as une idée? Le mieux, ça serait d'en parler aux inspecteurs. Ouais, ben ça va, je m'en charge. Je vais appeler Decker Machin, là. Je vais lui dire tout. Je vais lui expliquer. Tu préfères pas que ce soit moi qui l'appelle, plutôt? Ouais, c'est vrai que quand même, l'explication risque d'être brouillon. Quoi, qu'est-ce que tu dis, là? Tu crois que je sais pas parler? Il y a des mecs, ils ont une orga, ils appellent, ça fait longtemps qu'ils sont là, et c'est eux qui attaquent. Voilà, c'est ça que je vais lui dire. Ouais, ok, ben je vais appeler moi alors. Oh, mais quoi? C'est ce que j'ai dit. On y est. C'est cette maison dont je te parlais. Viens, on va jeter un œil. On voit que dalle ici. Tu l'as dit?
Tu comptes trouver quoi ici? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ici que mène la piste. Est-ce qu'on te la fouillons? Sans mandat? Mais si on fouille la maison sans mandat, on risque d'avoir un problème. De toute façon, il n'y a personne, t'as dit. Oui, en théorie. Il faut qu'on trouve des preuves sur l'identité du Ghostface. Je te laisse chercher de ton côté. Je regarde en bas. Ok, je vais monter à l'étage. Très bien, mais sois prudent. Tu me connais. Bon, vas-y, fais attention, hein. Il n'y a rien ici, on dirait une fraternité. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire dans cette maison? Et pourquoi est-ce que la piste nous amenait là? C'est la seule pièce qui est éclairée de la maison. Je comprends pas pourquoi. Il y avait peut-être quelqu'un. John! Tu as trouvé quelque chose? Il faudrait fouiller le sous-sol peut-être. C'est vrai, c'est le seul endroit que j'ai pas regardé. Viens. Qu'est-ce que tu penses y trouver ici? On voit rien du tout. C'est juste une bibliothèque. Il n'y a rien là. Si la piste nous a amené ici, c'est qu'il y a forcément autre chose. Tu entends ce son? Ça vient d'ici. Tu as trouvé quoi? Je pense qu'il doit y avoir une porte dérobée là. Attends, je vais regarder. Tu vois, j'avais raison. Il y a une porte dérobée. Suis-moi. Apparemment, il y avait des gens ici. Donc c'est là qu'ils mènent leur expérience secrète? Expérience, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est ici qu'ils se réunissent. Ça prouve bien qu'il y a bien une organisation. Donc Irina avait raison. Le légiste aussi. C'est vrai que ce légiste en savait beaucoup trop, je trouve. Tu trouves pas ça bizarre? Ouais, c'est vrai. On pourra peut-être y revenir dessus après. Mais il faut qu'on continue à investiguer ici. Allons-y. Ça y est, on est arrivé, wesh. T'es sérieuse? Tu veux retourner là? Ouais, bah au moins cette fois, il fait pas nuit. Moi, je trouve ça génial qu'on fasse des excursions comme ça. J'adore me promener avec vous. Tu crois qu'on va se promener? Et si on retombe sur lui? Non, mais c'est n'importe quoi. Vous voulez revenir ici? C'est ici que j'ai failli me faire tuer. Vous en faites pas, wesh. Il fait jour. Et puis, de toute façon, la police, ils ont tout bouclé. Il va pas revenir ici, quand même. Ouais, ça, c'est toi qui le dis. On n'est pas à sa place, après tout. On sait même pas ce qu'il est venu faire là, à l'origine. Ben, on le sait. C'était sa planque. Moi, j'ai hâte qu'on rentre à l'intérieur. On va s'éclater. Bon, tu ferais mieux de rentrer chez toi, non, Elvis? Tu vas finir par te faire tuer à la fin. Déjà, ce qui me surprend, c'est qu'ils sont encore en vie, celui-là. C'est le pire de tous. Et il est toujours là. Pourquoi c'est toujours eux qui restent en vie jusqu'au bout? Ouais, ben nous, on est encore en vie. Mais ça risque pas d'arriver si on continue à rentrer dans des histoires comme ça. Sur ça, elle a raison. Moi, en tout cas, je rentre pas à l'intérieur. Je reste dehors. Moi, je viens. Ouais, ben vas-y, poule mouillée. Hein. Non, mais attends, Sou, tu rigoles ou quoi? Il s'est fait tuer. Ou du moins, il a failli mourir. C'est normal qu'il ait pas envie de revenir ici. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Bon, moi, je viens aussi. Ou enfin, je sais pas. Je vais peut-être rester avec Stuart. J'ai pas envie de le laisser seul. Bah, en tout cas, moi, je vous rassure, je viens avec vous. Ouais, ben, ça nous fait une belle jambe. Bon, vous venez pas, je m'en fiche. Moi, je rentre. T'en penses quoi? J'en pense que ça craint de rester dehors. Vous avez trouvé quelque chose? Ah, mes copains, vous êtes venus, du coup? Ouais, ben, on va pas rester dehors. On n'a pas envie de se faire tuer. Alors regardez mes followers. Ça, c'est la planque du tueur. Vous avez vu ça? Il a mis des cibles. Il devait s'entraîner à lancer des couteaux. Et franchement, moi je dis, ça craint. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez un maximum de likes. Elle est sérieuse? Non, mais t'es complètement malade! T'es en train de dire au tueur où on est! Moi, je trouve ça cool. Elle va se faire plein d'abonnés. Oh, c'est bon. Laissez-moi faire. Ils m'épuisent tous, là. Bon, alors, qu'est-ce que ça raconte, tout ça? Bon, tu devrais venir avec moi, Stuart. On va fouiller à l'étage. Ok, j'arrive. Bonne chance, les copains. Moi, j'ai trouvé plein de trucs utiles dans ces caisses. Il y a même des Playmobil. Ah ouais? Vous êtes pas d'accord avec moi? Moi, je vous dis honnêtement, si vous voulez vraiment faire comme moi et faire Instagrammeuse, eh ben, il va falloir mettre du suspense et de l'action. Et là, nous, on est au cœur de l'action avec Sou. Depuis le début, il se passe plein de choses. Vous rendez compte tous les amis qu'on a perdus? Vas-y, arrête là avec ton Instagram, viens nous aider. Bon, moi je trouve rien dans cet ordinateur. De toute façon, j'y comprends rien en informatique. Tu as vu, apparemment, il y a quelqu'un qui est venu ici récemment.
Ouais, quelqu'un est venu ici depuis notre dernière visite. C'est peut-être pas la police. Si ça se trouve, c'est lui qui est revenu. Il faudrait qu'on fouille. Il y a peut-être des trucs à trouver. Ouais, parce que j'ai pas l'impression qu'un boy soit en train de fouiller. J'ai l'impression qu'il s'amuse. Vas-y, y'a que de la vaisselle ici. Oh. Vous avez vu ça, follower? Y'a un couteau dans la caisse. Vous pensez que je devrais le garder? Je vous laisse voter. Oui, y'a que des Playmobil ici. Ah ouais, vous votez oui? Ah ben d'accord, ça va, je vais le prendre. Mais qu'est-ce que tu fabriques, sérieux? C'est une preuve! Et voilà, mes followers. J'ai récupéré le couteau. Il va me servir à moi. Non, mais tu fais n'importe quoi! Ils auraient pu trouver le coupable! Là, tu fais nimp! À cause d'auto, on risque d'avoir des problèmes. Tu as mis tes empreintes dessus. Ça va, Sou? Je suis en train de faire de l'audience. Tu veux dire quelque chose sur Instagram? Fermez vos bouches, bande de crétins! Excusez-la, elle est comme ça tout le temps. Vous voulez lui dire un truc? Bon, Sou, je vais pas dire, mais ils sont tous en train de t'insulter aussi. Ouais, ben vas-y, qu'ils viennent! Moi, je les attends! Tu sais que tu montes en popularité? Tu pourrais te faire des amis, hein? Tu devrais faire toi aussi ton Instagram. Je vais vous éclater, ouais, je vous m'énervez, là! Sou, ça arrête pas de s'exciter sur le chat. Ils font que parler de toi. Ils disent que t'es la vengeresse masquée, que c'est toi qui as tué Ghostface et tout. Bon, après, c'est vrai que je leur ai dit. Et en plus, j'ai pris des vidéos, donc du coup, ils savent. Ouais, mais t'es zinzin ou quoi? Tu veux qu'ils nous éclatent, le tueur? Et c'est pour ça qu'ils m'appellent, qu'ils me disent Sou. Ça va, Sou, arrête, oh, n'en fais pas un drame. Moi aussi, je veux être populaire. Ouais, ben si tu veux être populaire, toi, il va falloir un peu glow up, hein. C'est quoi, glow up? Ben, je sais pas, ravalement de façade. Tu passes au Karcher, ou j'en sais rien, tu fais un truc, mais t'as vu ta tête? Oh, ça va, c'est pas gentil, Vas-y, éteins le téléphone! Éteins le téléphone ou je t'éclate! Vous avez vu comment elle est stylée, celle-là? C'est pour ça que c'est ma meilleure amie. Elle est prête à se battre pour son image. Eh, vas-y, je t'ai prévenu, hein! J'ai trouvé un truc! Sérieusement, c'est quoi? C'est des documents. Apparemment, il y aurait des informations sur Ghostface. Des informations? Mais comment ça? Apparemment, le groupe secret sème la terreur dans la ville. En utilisant Ghostface comme un pantin. Sérieusement? Mais il faut le dire aux autres. Eh oh! Il faut que vous montiez, là! Alors, il y a des informations en plus à donner sur Insta? T'as trouvé quoi? Pourquoi vous criez comme ça? Ouais, vas-y, dis-nous, lâche le morceau, là! Bah, apparemment, le groupe secret appartiendrait à une organisation. Peut-être une organisation criminelle. Et ils utilisent Ghostface pour faire peur et semer la terreur dans la ville. C'est vraiment des monstres. Ça, c'est super intéressant. Vous avez vu ça, les followers? Non, mais t'es complètement malade! Et tu me filmes, en plus! Ouais, ben laisse tomber, elle comprend rien, celle-là. Depuis tout à l'heure, je me prends la tête avec elle. J'ai failli me jeter dessus, mais bon. J'ai cassé son téléphone, wesh! Arrête de nous filmer! Bon, je vais devoir vous laisser, il crie. Mais voilà, je vais m'éclairer quand même. Et donc, alors, il faut en parler à l'inspecteur de tout ça? Pour une fois que t'as une idée intelligente, toi! Franchement, tu gères? Je sais, merci. Bien, donc, faudrait prévenir l'inspecteur Prime. On l'appelle? Oui, appelons-le. On le rejoint là où il est. Il faut qu'on lui montre ce document, c'est important. Ouais, ça va, je m'en charge. T'avais remarqué ça la dernière fois? Pas du tout. Parabellum. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire préparer à la guerre. Ça confirme d'autant plus qu'on est au bon endroit. Il y a quelque chose qui a changé, par contre. Ouais, la maison est éclairée. Visiblement, il n'y avait pas personne. Allons voir à l'intérieur. On ferait mieux de sonner à la porte, plutôt. Qu'est-ce que vous voulez? Inspecteur Descartes Prime et John Wish, on aurait quelques questions à vous poser. Vous tombez super mal, on était occupés. À ce moment-là, va falloir vous désoccuper. On a besoin de vous parler, donc vous sortez et on discute. Sauf si vous préférez qu'on revienne avec un mandat. Non, ça va aller, je sors. On a trouvé des preuves assez accablantes vous concernant, dans votre sous-sol. Des preuves accablantes? Comment ça? Un bureau, comme un bureau de secte. C'est joli tout ça. Des policiers qui rentrent par effraction dans un domicile. Vous aviez un mandat au moins? On vous a posé quelques questions. Je vois. Vous aviez pas de mandat. Donc perquisition illégale. Ça va faire beau devant le juge, ça. Ce n'est pas la question. Ça explique pas ce que fait cette salle secrète dans votre sous-sol. On vous soupçonne d'être le chef d'une organisation criminelle. Pour le moment, on n'a pas les preuves. Mais déjà, on peut demander une perquisition auprès d'un juge. Et cette fois, ce sera valable. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Bien alors? Laisse-moi parler. Vous avouez tout? Je vous invite à quitter ma propriété. Vous n'avez rien à faire ici, policier ou pas. Si vous voulez visiter ma maison, si vous voulez rentrer, prenez un mandat. Si vous voulez m'arrêter,
arrêtez-moi. Mais si vous avez rien du tout, vous vous tirez de chez moi. C'est compris ? Oui, oui, c'est compris. Il a raison, John. Pour le moment, on n'a pas assez d'éléments. Attendez, on pourra pas faire grand-chose. On a des informations, nous ! Vous avez bien fait de venir. Des informations, comment ça ? On a trouvé des documents. Et ils vont vous intéresser, ça c'est sûr. On comptait vous appeler au départ, mais le commissariat nous a dit que vous étiez ici. Quels sont ces documents ? Je vous les apporte, inspecteur. Merci. Alors John, qu'est-ce qu'ils racontent ces documents ? C'est une liste contenant tous les responsables du groupe secret. Enfin, en partie. Elle a été éditée par un des Ghostface. Parfait. C'est quoi ces âneries ? Déclinez votre identité, s'il vous plaît, avant que j'appelle des renforts. Andro Rodriguez. C'est quoi le problème ? Comme par hasard, il est dans la liste. Il est considéré comme un des chefs. On a toutes les preuves contre vous maintenant. Donc vous faites quoi ? Vous faites le mariole ou vous nous donnez des informations ? Et on réduira votre peine. Rentre à l'intérieur. Mais chef ! Rentre à l'intérieur, je te dis. Bien, vous allez nous dire ce que vous savez. J'avoue, j'ai dirigé quelques parties des Ghostface. Et les meurtres qui ont été semés dans la ville, j'en suis responsable. On a même utilisé Irina. Je m'en doutais. Alors c'était lui le responsable de tout ça ? Eh ben vous voyez qu'on s'amuse. Ouais, vas-y, t'arrêtes de m'appeler maintenant, hein ! C'est qui la gamine là-bas ? C'est moi, Sou ! Fais que m'appeler, me dire Sou et tout, me spoiler ! J'en ai marre des films d'horreur ! Bien, passons. Vous voulez savoir quoi de plus ? Mais est-ce que vous avez commandité le meurtre d'Irina ? Absolument pas. Peut-être un des autres leaders du cartel. Donc vous êtes pas le seul chef ? Du tout. Et je comprends pas de quoi me parle la gamine. Vas-y, qui c'est que t'appelles comme ça gamine ? Mais si lui il est responsable des Ghostface, et qu'il sait pas qui tu es, qui c'est qui t'appelle ? J'en sais rien moi ! Bien, on le notera. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. On vous amène au poste. Je n'ai rien à cacher. Ça on l'a vu. Aucun remords. Bon allez, suis-nous. Eh ben voilà qui est fait. On s'est enfin débarrassé de lui. Tout ça pour ça, quoi. Je trouve ça étrange, quand même. Pourquoi il y avait les preuves qui te mettaient tout contre lui ? Peut-être qu'il voulait se débarrasser de lui. Mais qui ? Ouais, ben j'espère qu'il va arrêter de m'appeler, en tout cas. Bon, allez, on vous embarque. Bien, merci, les enfants. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je vous avais dit de pas vous mêler, mais grâce à vos documents, on a pu boucler l'affaire. Wesh, c'est terminé, alors ? Il va arrêter de m'appeler ? C'est plutôt les crimes qu'il faut qu'il arrête, ouais. J'espère que c'est terminé cette fois. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément d'abonnés avec cette affaire. C'est un truc de malade. T'es sérieuse, là ? Ouais, ben ça, c'était pas l'idée du siècle. C'est pas bon d'utiliser les réseaux sociaux. Tu aurais pu te faire tuer si Ghostface était tombé dessus. Oui, mais vous avez dit que c'était terminé. En tout cas, je suis content qu'on vous ait trouvé. Au moins, on a pu mettre un criminel derrière les barreaux. Oui, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi est-ce qu'il s'en prenait à Sou ? Moi, je veux pas savoir pourquoi il s'en prend à moi. Je veux qu'il arrête de m'appeler, c'est tout. Faut qu'il arrête. Ouais, mais quand je pense que Irina a été utilisée comme appât, c'est n'importe quoi. Elle est morte pour rien au final. Ouais. Mais bon, elle a tué des gens aussi. Vous rigolez ? C'était mon amie. Mais elle a quand même essayé de nous tuer avec un couteau. Elle nous poursuivait de partout. Ouais, ça je confirme. C'est bien qu'on s'en soit débarrassé, mais je lui souhaitais pas ça non plus. Moi je m'en fiche. Le seul truc que je veux, c'est qu'on arrête de m'appeler. Sinon, je change de numéro. Bien, l'affaire est résolue. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Et plus de bêtises. Et surtout, arrêtez de vous balader la nuit. Oui, il y a des gens dangereux qui se baladent la nuit ici. Ouais, ben ça, on l'a remarqué, inspecteur. On pourra vous rendre visite prochainement ? Bien sûr. Je vous attendrai dans mon bureau. Vous venez quand vous voulez. Ouais, choqué, moi, je rentre chez moi, ouais. Bon, moi aussi. J'en ai assez de tout ça. Ouais, ben moi, j'ai plus envie que ça arrive. J'espère que c'est terminé cette fois. Y en a marre de tous ces tueurs, mais qu'est-ce qui m'a pris à emménager ici, moi ? Ben moi, je m'éclate. Franchement, grâce à vous, je me suis fait des amis. Ouais, ben vas-y, hein. J'ai jamais dit que j'étais ton ami, hein. Allez, vous pouvez y aller, les enfants. Tu penses que c'est vraiment terminé, cette fois ? Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il s'en était jamais pris à Sou ? Apparemment, il la connaissait même pas. C'est ce qu'il va falloir essayer de découvrir. Wesh, salut inspecteur ! Ça fait longtemps ! Ça m'a surpris que vous nous ayez contactés. Vous avez des informations en plus ? J'aimerais savoir ce qu'il en est. Vous les avez retrouvés ? Il y a eu d'autres Ghostface ? L'histoire continue. Je m'éclate, moi. On va vous expliquer, les enfants. Du calme. Bien, les enfants, tout d'abord, merci d'être venus. Donc oui, on a mis la main sur l'organisation criminelle. Ce n'est pas simplement un cartel. C'est plus que ça. Et donc ?
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont où, l'organisation? Ghostface faisait partie de ce groupe. Il était membre. Enfin, tout le monde utilise son costume. Mais apparemment, de ce qu'on a compris, il n'y a qu'un seul Ghostface. Les autres sont juste des imitateurs. Ouais, tu veux dire que c'est Ghostface qui m'appelle? Et les autres, c'est juste des crétins, là? Qui s'habillent comme lui? Pour faire style? Ils se croient chez Halloween? C'est ce que j'ai compris. Ça veut dire que c'est pas terminé? Je vais pouvoir continuer mon livre? Non, mais elle est sérieuse, elle. Sur ça, elle a raison. Autant profiter des médias. Ben ouais, quoi. Si je peux me faire connaître. Non, mais sérieusement, Elvis. Franchement, j'en peux plus. Tu veux pas rentrer chez toi? Mais c'est quoi le problème à la fin? Moi, je fais que vous aider? Ouais, ben il nous a aidés, c'est sûr. Mais après, il est relou, quoi. Mais il nous a aidés. Ouais, j'avoue. À sa manière, même s'il est fatigant, il nous a porté une grande aide. Bon, vous voulez pas avoir plus d'informations que ça? Mais si, si, bien sûr, allez. Dites-nous tout. Bien, donc, comme je vous disais, Ghostface faisait partie de cette organisation. Et si ça se trouve, il en est même le chef. Et Irina était impliquée. Mais on sait pas encore pour quelle raison. Il va falloir qu'on fouille un peu plus dans le passé d'Alex et d'Irina. Apparemment, sa sœur aussi était impliquée. Donc il doit y avoir quelque chose là-dessous. Il y a que comme ça qu'on découvrira la vérité. Et c'est pas tout. Bah, on vous écoute. C'est super intéressant. Ouais, allez, vas-y, dis tout. Alors, inspecteur, et c'est quoi la suite? On a découvert où se cachait l'organisation criminelle. Ils ont une planque dans la ville. On va lancer une opération et tous les arrêter. Mais ça a l'air super tout ça. Mais c'est génial. On pourra venir avec vous? Non, vous en avez assez fait. Il est temps de découvrir qui se cache derrière le masque de Ghostface. Nous y sommes. On est prêt à intervenir, chef. Quels sont vos ordres? L'idéal, ce serait de rentrer sans faire de blessés. Ce serait dommage de capturer personne. Évitez de leur tirer dessus si possible. Mais s'ils se défendent? S'ils se défendent, défendez vos vies. À vos ordres. On est prêt à intervenir. Alors, allez-y. Suivons-les, John. RAS! 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 Y'a personne. Ben, il va falloir rentrer dans la planque. On a repéré une issue ici. On est prêt à intervenir. Allez-y. RAS! Y'a personne. Ça me surprend pas. Ils ont dû être prévenus. Il n'y a plus rien à craindre. Vous pouvez descendre. Bon alors, tu veux qu'on fasse quoi? Il va falloir fouiller les lieux. Déjà, on va commencer par allumer. Selon moi, ils ont dû laisser des indices. Si tu veux mon avis, ils se sont enfuis certes, mais ils n'ont pas du tout embarqué. La vraie question, c'est de savoir qui est-ce qui les a prévenus. Je pense qu'ils doivent avoir un complice. Peut-être quelqu'un d'infiltré. Mais il faut qu'on sache qui c'est qui les a avertis, effectivement. À ce moment-là, faut qu'on fouille les lieux. On va forcément trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Vous pouvez baisser vos armes. Il faut qu'on fouille les lieux. Essayez de trouver des indices. À vos ordres. Tu crois qu'on va trouver quelque chose ici? Même s'ils se sont enfuis, ils n'ont pas pu tout embarquer. Ils ont dû partir dans la précipitation. Je suis certain que si on est patient, on trouvera quelque chose. À ce moment-là, fouillons. Vous avez trouvé quelque chose dans les serveurs? Je suis en train de regarder, chef. Apparemment, ils ont tout débranché. Ils ont effacé les disques durs. Mais je croyais qu'on pouvait récupérer les informations dans les disques durs supprimés. Effectivement, vous avez raison. Avec un bon logiciel, il y a de quoi faire. À ce moment-là, au boulot. À vos ordres. Qu'est-ce que vous avez de ce côté? Des documents, chef. La plupart concernent des virements sur des comptes bancaires. Intéressant ça. Il y a peut-être la possibilité de relever certaines traces. Peut-être des virements qui ont été effectués à notre cher complice. Ça c'est clair. Dans tous les cas, je trouve ça bizarre. On va essayer d'éplucher ces documents. On verra si on trouve quelque chose. Je compte sur vous, sergent. Et vous, de votre côté, ça donne quoi? Je vais devoir forcer le casier. Il est verrouillé. Bien, à ce moment-là, allez-y. Essayez de récupérer un maximum d'informations. Vous en faites pas pour ça, chef. Bien. Bon, de notre côté, on va fouiller aussi. On va voir si on trouve d'autres trucs. Tous au boulot. Il faut qu'on épluche les dossiers. Il faut qu'on arrive à trouver des preuves. Bon, c'est super cool que les parents soient pas là. Au moins, on peut faire la fête. Franchement, moi, ça me fait plaisir que tu nous aies invités chez toi. Au moins, je vais pouvoir bronzer. En plus, je peux faire des super photos sur la terrasse. Ouais, ben en attendant, t'es juste devant moi. Moi, je vois rien. Tu me caches le soleil. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sou? T'es juste devant. En plus, je te fais même pas d'ombre. Ouais, mais vas-y. Moi, j'ai une casquette. Je vois pas au-dessus. Je vois pas en face.
Je vois que ta tête. Et j'ai envie de regarder un beau paysage, moi. Vas-y, dis tout de suite que je suis moche. Eh ben, si je te dérange, je m'en vais. Mais ça va, vas-y, j'ai pas dit ça. Oh. En tout cas, c'est super cool de m'avoir invité. Mais on t'a pas invité. Vas-y, va. Il s'est encore incrusté, lui. C'est vrai qu'à l'origine, c'est toi qui as tapé à la porte. Ouais, ben, écoutez. Moi, j'ai su que vous étiez chez vous. Je voulais vous rendre visite. Après tout, je vous ai aidé. Ah, tu nous as aidés. Certes. Mais en attendant, j'en ai marre, moi. Tu fais que me suivre. Tu es pire que Ghostface. Ghostface, il m'appelle, il dit sous. Mais au moins, dès que je raccroche, je vois plus sa tête. Toi, t'es tout le temps là. Partout où je vais, t'es là. Je change de décor, t'es là. J'ouvre les yeux, t'es là. Ah, c'est bon, tire-toi. Vous êtes vraiment pas sympa avec moi. Bon, ça va, laissez-le. Ouais, mais toi, tu peux parler. C'est pas toi qui suis. Moi, j'ai Ghostface. J'ai Elvis. Et c'est bon, maintenant. Ils achètent Tinder, et du coup. Bon, pour changer de sujet, vous avez des nouvelles de l'enquête? Non, pas du tout. Vous savez si les policiers ont réussi à les trouver, les criminels? Aux dernières nouvelles, ils devaient aller dans leur base. Ben non, Black & Decker, il m'a pas rappelé. Mais c'est pas Black & Decker, c'est Decker Prime. Bon, moi, j'ai des nouvelles. Comment ça, t'as des nouvelles? Ben, j'ai mes sources, quoi. Avec Insta, il y a pas mal de gens qui discutent. Je sais ce qui s'est passé. Et tu comptes nous le dire ou c'est comment, là? Mais c'est qui, tes sources? Ben, laissez-la si elle a des sources. C'est cool, les sources. Il y a la source de vie, la source d'eau. Oh my god, mais c'est vraiment un débile, celui-là. Bon alors, vous voulez savoir ou pas? Ben non, on veut pas savoir. C'est pour ça qu'on attend depuis 5 minutes. Bon, tu vas accoucher ou quoi? Bon, ok. Alors, d'après ce que je sais, les policiers sont entrés dans la base criminelle, mais il y avait personne. Comment ça, personne? Mais ils sont passés où? Ils ont trouvé des pistes? Oui, il semblerait qu'ils ont relevé pas mal d'indices. Peut-être qu'on pourrait les aider. La dernière fois, Elvis a été assez efficace, en cherchant dans la bibliothèque. Il faudrait peut-être s'y rendre. On pourrait peut-être les aider. C'est un verre informatique, ce gars-là. Ben, c'est pas bête, hein. Ça serait bien de pouvoir leur donner un coup de main. Parce que là, à part ça, on n'a pas de nouvelles. Et puis Ghostface, il a arrêté d'appeler Sue, donc on sait pas si on l'a eu. Ouais, bah attends, il a arrêté de m'appeler, tant mieux. Maintenant, j'ai Elvis. C'est pas mieux. Ouais, t'as raison, mais bon. En tout cas, les policiers ont pas trouvé d'indices supplémentaires. Il faudrait peut-être les aider. En tout cas, moi, je pense que ce serait une bonne idée. Ben, qu'est-ce qu'on attend, alors? On va pas attendre que Ghostface se rapplique encore. Vous vous souvenez quand il m'a attaqué dans le hangar? Alors ça, comment l'oublier? Heureusement, t'as survécu. T'as pas eu trop mal? Non, j'ai pas eu mal du tout. Mais évidemment que j'ai eu mal. Tu crois quoi? Oh, ça va, c'est qu'un coup de couteau. Et puis, t'as raté. Non, mais il est sérieux, celui-là. Vas-y, tu veux que je t'en mette un, moi, de coup de couteau? Tu vas voir si tu vas la ramener derrière. Bon, arrêtez de vous prendre la tête. Faudrait qu'on aille jeter un œil. Bon, on y va quand vous voulez. Allez, vas-y, viens. Viens, je vais t'éclater, moi. Je vais pas me battre avec toi, Sou. Vas-y, tu crois que j'ai peur, hein? Tu crois que j'ai peur? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Allez, tourne-toi, c'est pas une mauviette. Tourne-toi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Je me laisserai pas intimider par toi, Sou. Et puis, j'adore quand tu me touches les cheveux. Oh là, il a une touche, là. Hein, quoi? Non, mais plus jamais je te touche, toi. Vous voyez, Sou, elle est en train de rencontrer son premier copain. Et en plus, eh ben, ça se voit qu'ils s'entendent bien. Vous en pensez quoi, mes followers? Laissez-moi mourir! Oh là là! Bon, allez, on y va. En tout cas, moi, j'y vais. Si vous voulez venir, vous me suivez. Mon Dieu! Où est-ce que je suis tombé encore? Sou, tu peux continuer à me caresser la nuque? Laisse-moi tranquille, je te dis. Bon, moi, j'y vais, vous m'avez fatigué. Et c'est là que l'aventure continue. Il y a Mathilda qui s'en va, et on va la suivre. Eh, vas-y! Bon, moi, je vais avec eux, hein. Mais attendez! Vous allez pas me laisser avec lui? Sou, tu me plais trop. Eh, c'est bon, laisse-moi tranquille! Reviens, Sou! Reviens! Alors là, mes chers followers, en fait, on est en train de faire de l'investigation pour retrouver les tueurs. Et moi, je vais vous aider. Alors ça, c'est Stuart. Lui, il a pas mal d'aides à nous proposer. Qu'est-ce que t'en penses? T'as des trucs à dire à nos followers? Bien au fait, on a commencé l'aventure et c'est moi qui me suffit pas à nerder. Et je suis toujours en vie. Vous avez vu ça? C'est un super guerrier, ce gars-là. On dirait Son Goku. Oui, c'est moi, Son Goku. Mais sérieux, qu'est-ce qu'il fabrique? Et en plus, il y a l'autre dedans, là. Il va encore me suivre? Il va encore me gratter l'amitié? Je suis en train de chercher dans les archives. Je commence à trouver pas mal de documents de la police.
Mais vous allez arrêter ! Oh, on n'est pas là pour faire les beaux ! On est là pour chercher des preuves ! Ah, tu veux témoigner aussi ? Et ça, c'est Mathilda. Mathilda, elle a plein de choses à dire. Et elle est très hargneuse. Non mais attends, je t'ai pas dit de me filmer ! Arrête de me filmer ! Vous avez vu comment elle est hargneuse ? Eh ben, c'est toujours ça, même avec Sou. S'il vous plaît, faites que ça s'arrête ! Vous en avez pas marre de vos âneries, wesh ! C'est où qu'on a trouvé le truc, là ? Il faut qu'on cherche ? Pour la police ? Et comment on va faire si on trouve pas de preuves ? Des commentaires à faire sur l'investigation ? Oh, Sou, t'es là ? Mais je vais t'éclater, moi, avec ton téléphone ! Range ça ! Et arrête de me filmer ! Vous avez vu, il y a son copain qui est là. Tiens, penses quoi, toi, des agissements de ta copine ? Ben, j'en sais rien, moi ! Mais je vais mourir ! Vous avez vu ça ? Elle est tombée d'amour. Bon, sinon, j'ai trouvé des trucs, moi, de mon côté. Enfin, quelqu'un de sérieux. Alors, t'as trouvé quoi ? Il semblerait qu'en fait, il y a un policier corrompu dans la police. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils n'arrivent pas à trouver d'où ça vient. C'est un policier qui a balancé l'information. Et c'est pour ça que les criminels ont pu s'échapper. Lâche ce téléphone, je t'ai dit ! Lâche ce téléphone ! Mais arrête, Sou ! Tu vas me déconnecter ! C'est pas possible. Bon alors, et c'est qui ce policier ? Bien, il faudrait peut-être avertir Dekker Prime. Ça serait bien qu'ils enquêtent au niveau du commissariat. S'ils arrivent à savoir qui c'est, ils pourront avoir plus d'infos. T'as déjà vu Dragon Ball Z ? Oh là là, regardez, elle fait son cinéma. Et donc il y a un policier corrompu dans la police ? Oui, j'ai pu accéder aux preuves. Apparemment, ils avaient des archives, ils tenaient des comptes. Et dans les comptes, en fait, il y a un des policiers à l'intérieur. Et je pense que Dekker Prime et John Wish ont dû passer à côté. Il faudrait les avertir. Eh ben, on attend quoi ? Moi, je vais t'éclater. Laisse-moi faire. Tu vas voir comme tu ressors bien à la caméra. Très bon travail, les filles. Bravo. Tu vas appeler Dekker Prime, alors ? Oui, je vais lui passer un coup de fil. Il faut que je retrouve son numéro. Et laisse-moi tranquille, wesh ! Arrête de me parler ! Mais je suis pas en train de te parler. Je suis en train d'appeler l'inspecteur. J'en peux plus de lui ! Et voilà, l'affaire reprend. Oui, allô ? Inspecteur Prime ? J'ai des infos pour vous. Oh là là, c'est fatigant cette histoire. Donc c'était lui, wesh ? C'est lui qui a balancé tout le monde ? Tu devrais regarder. C'est intéressant, Sylvie. Donc c'était celui-là, le policier ? Je me demande pourquoi il a fait ça. Donc il va falloir nous donner plus d'informations que ça, James. Pourquoi est-ce que t'étais dans l'organisation criminelle ? Vous avez absolument aucune preuve contre moi. C'est bien ça le problème, James. On en a un peu trop. Il faudrait que tu nous donnes plus d'informations que ça. On sait que tu en faisais partie. En plus, tu es policier. Tu sais que la peine est lourde et les sanctions sont lourdes contre les policiers. Bien. Je vais me mettre à table. Mais ils risquent de me tuer aussi. Il t'arrivera rien si on les arrête. Si on tombe sur eux maintenant et qu'on arrête l'organisation, ça sera terminé, James. Ils ont un bâtiment à l'extérieur de la ville. C'est là où ils mènent toutes leurs opérations. Il y a le chef du cartel qui est là-bas. Enfin, le chef des chefs. Le chef des chefs, tu dis ? Le bâtiment excentré ? Et tout au bout de la ville ? Oui, c'est celui-là. Alors, il y a pas mal d'agents de sécurité à l'intérieur. Vous allez pas rentrer comme à Disneyland. C'est quoi ce bâtiment excentré encore ? On n'a pas dû faire gaffe la dernière fois. Donc, il y a encore des Ghostface. Mais ça s'arrêtera plus, cette histoire. L'idéal, c'est qu'on aille voir. On devrait aller avec les policiers. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parle-nous plus de ce bâtiment. Il y a une entrée principale. Avec plein d'agents à l'intérieur. Il va falloir rentrer discretos. Si vous rentrez en frontal, vous risquez de vous faire descendre. Et on va pouvoir trouver des preuves ? Des preuves, vous plaisantez ? Il y aura que ça sur place. Mais malheureusement, ils vous laisseront pas entrer comme ça. Donc il va falloir faire diversion ? C'est une idée. Mais vous êtes obligé de passer par l'entrée principale. Donc ce bâtiment se trouve à l'extérieur de la ville ? On a dû passer à côté et pas faire gaffe. Il paye pas de mine comme ça, le bâtiment. Ça ressemble à des bureaux, on dirait un centre d'appel. Idéal pour une couverture. Je crois savoir de quel bâtiment il parle. Je le vois sur les photos. Ah ouais, sérieusement ? Et il ressemble à quoi ce bâtiment ? Wesh, vas-y, j'ai pas envie de mourir moi encore ! Si tu veux que ça s'arrête, Sou, on n'aura pas le choix. Voilà, vous savez tout. À ce compte-là, on va te mettre en cellule. De toute façon, t'échapperas pas à un jugement, tu le sais. Non, ça je le sais bien. Je sais que vous allez m'arrêter quoi qu'il arrive. On n'a pas vraiment le choix. À cause de toi, t'as saboté une opération. On aurait pu les arrêter. J'avais besoin d'argent, les gars. On se doute bien que t'as pas fait ça pour la gloire. Malheureusement, tu sais que les flics corrompus, ça va pas loin. Je sais. Je suis désolé. Et voilà, les chers followers. Le policier corrompu a été arrêté. Non, mais elle a craqué, elle !
et filme l'interrogatoire maintenant. Tu vas avoir des problèmes, Sylvie. Tu devrais arrêter. Bien, John, je te le laisse. Je vais voir les enfants. Ok. Non, mais j'hallucine, tu es en train de filmer, là? Mais non, je suis en train de me prendre en photo. C'est eux, là. Ah, je suis rassuré, j'ai eu peur. Bon, quoi qu'il en soit, ça y est. On a les informations. Bah alors, inspecteur, ça donne quoi? C'était lui qui m'appelait. Vous allez les arrêter? Vous savez où ils sont? Oui, on sait où ils sont. On va y aller avec John. Et on va prendre la température. Et donc, vous y allez sans nous, alors? On va y jeter un œil, déjà. Mais c'est un peu risqué d'y aller avec vous. Oubliez pas que vous êtes des enfants. Ouais, bah ça, on le sait, wesh. Oui, l'inspecteur a raison. Ça serait dommage de se faire tuer. Surtout que ces criminels sont sans pitié. Et vous y allez quand? On va faire un tour ce soir. Je suis désolé, James. Fais attention, John. Ils sont coriaces. T'inquiète, on a l'habitude. On a vu pire. Vous savez tout. Bon, je vais prévenir John qu'on y va. C'est bon, tu as fini avec lui? Ouais, on a terminé. Bon, on y va quand? Remets-le en cellule et on part. C'est ici. Les locaux ont l'air vides. Ouais, mais détrompe-toi. C'est juste une façade. James nous a dit qu'il y avait du monde à l'intérieur. Il va falloir être prudent alors. Il faudrait qu'on jette un œil. Viens. Essaye de pas te faire repérer. Garde tes distances. On voit quelques gardes d'ici. Ouais, et il est pas tout seul. D'après ce que je vois, il y a des gardes à l'entrée. Donc il va falloir attendre qu'ils passent. Faudra être vigilant. Il y a des gardes un peu partout à l'intérieur du bâtiment. Ils zigzaguent de gauche à droite. Ça va pas être évident de rentrer dans le bâtiment. Surtout au niveau de l'escalier. Il est super blindé. Mais d'après ce que je vois, il n'y a que cet étage-là qui est complet. Vu de l'extérieur, l'étage supérieur a l'air vide. Et le chef n'est pas dans son bureau. Une observation. Ça va pas être évident d'entrer. Surtout sans se faire repérer. Et tu proposes quoi du coup? Je propose qu'on rentre et qu'on élabore un plan. Sage décision. On devrait remonter. Ouais, faut pas qu'on se fasse repérer. Viens. Bon, on a fait le tour. On a eu des infos. Alors ça donne quoi, inspecteur? Qu'est-ce qui se passe exactement? On a retrouvé le bâtiment des suspects. Ils sont très nombreux à l'intérieur. Ça va pas être évident d'y pénétrer. Mais on va devoir s'infiltrer. S'infiltrer carrément? Mais c'est pas dangereux? Vous voulez qu'on vienne avec vous? Ça serait cool qu'on puisse venir. Ouais, vas-y, wesh! Moi, j'ai envie de participer! Justement, ça faisait partie de notre plan. Et c'est pour ça qu'on se donne rendez-vous ici. En fait, on a besoin d'une diversion pour faire sortir les gardes de l'entrée. Au moins du bâtiment principal. Oui, il y a un garde à l'entrée qui risque de nous gêner. Si on arrive à passer la première porte, ça sera beaucoup plus facile. Exactement. Les gardes font des rondes. On va pouvoir se faufiler entre les bureaux. En revanche, celui de l'entrée, ça va être compliqué de l'éviter. Donc si l'un d'entre vous peut se désigner... Honnêtement, je sais pas trop. Faudrait qu'on voit sur place. Ça m'a l'air super comme jeu. Donc c'est quoi, c'est un cache-cache? Ouais, bon ça y est, lui il commence. Ouais, je vais l'envoyer à lui. Comme ça, je me débarrasse. Oh là là, tu sacrifierais ton amoureux carrément? Bon, toi, si tu continues à dire ça, je te jure, ton téléphone, tu vas l'avaler. T'as compris? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Le plus sage, c'est qu'on aille sur place, que vous voyez à quoi ressemble le bâtiment. Ensuite, vous choisirez l'un d'entre vous qui fera diversion. Et à partir de là, nous, on va pouvoir s'infiltrer. Si on arrive au moins jusqu'au premier étage, on pourra peut-être confronter le patron. Et peut-être même l'arrêter, si on arrive à avoir assez d'éléments. Mais à mon avis, les preuves, elles vont pleuvoir. Bien, à ce moment-là, on va vous aider. Ah, moi, j'attends que ça! Enfin de l'action. Wesh, vas-y, envoyez Elvis! Comme c'est du cours après! Et voilà qu'une histoire d'amour prend fin. À ce compte-là, préparez-vous. On y va. Nous y sommes, les enfants. C'est ici. Waouh! Vous avez vu ce bâtiment comme il est classe? Eh ben, c'est là que se cachent les criminels. C'est super cool que tu prennes une vidéo. Au moins, on aura des souvenirs. Non, mais t'es malade de filmer? Imagine, ils regardent ton stream! Wesh, vas-y, ils sont craqués ici. Effectivement, c'est pas une bonne idée. Mais ça vient de m'en donner une, du coup. Tu penses à quoi exactement? Elle va attirer l'attention du garde. Si elle va le filmer avec son téléphone, il va lui courir après. Et du coup, ça va libérer l'entrée. T'as tout compris. Vous avez vu les followers? C'est moi l'héroïne aujourd'hui. Ouais, ben vas-y, fais-toi attraper. Comme ça, on rigole. Et au moins, il va te prendre ton téléphone et c'est fini, quoi. Non, fais attention. Ça a l'air dangereux. Regardez, j'ai une admiratrice. Elle prend ma défense. Mon Dieu, on s'en sortira jamais avec eux. Bah alors, on y va? Tu te sens prête, Sylvie? Toujours. Moi, tout ce qui touche au scoop, je suis toujours là. En piste alors. Et bonne chance.
Fais attention à toi. Vous croyez quoi? Laissez faire la professionnelle. Tu crois qu'elle risque rien? Je crois qu'il va lui courir après. Et voilà les followers. C'est lui le méchant de l'organisation criminelle. Il monte la garde. Tire-toi de là, petite. Qu'est-ce que tu fous avec ce téléphone? Ben, je vous filme. Vous êtes sur Internet en direct. Dites bonjour. Non, mais tu vas me donner ça? Allez, allez, suis-moi si tu y arrives. Mais ça a marché. J'en attendais pas moins d'elle. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, du coup? Vaut mieux que vous rentriez chez vous. Vous en avez assez fait. Ça va commencer à devenir dangereux, là. On va rentrer dans le bâtiment. Mais c'est une mauvaise idée, wesh! S'il vous arrive un truc, on peut rien faire pour vous aider? C'est un peu dangereux. Malheureusement, non. Il y a aucune chance que vous puissiez nous aider sur place. Laissez-nous faire, on a l'habitude. Rentrez chez vous, c'est plus sage. On s'en va, wesh! Mais s'il y a un problème, ça sera pas notre faute, hein! Et faites en sorte qu'ils effacent mon portable. Normalement, après ça, Sou, ils t'appelleront plus. Bon, on peut y aller. C'était plus sage de les laisser partir. Ouais. Si on les avait fait venir, c'était trop risqué pour eux. Bon, tant mieux. Maintenant, allons voir ce qu'il y a dans le bâtiment. Allez, allons-y, John. Sois prudent. Le garde de l'entrée n'est plus là. Ça va être beaucoup plus facile de s'infiltrer. Qu'est-ce que tu vois? Le plus sage, c'est de ranger son arme. Faut pas qu'on tire par inadvertance. Essaye de voir si tu vois quelque chose. Il y a un garde qui est en train de tourner là. On va attendre qu'il s'en aille. On devrait pouvoir passer. Suis-moi, vite. Planque-toi dans ce box. Reste planqué. Tu as vu, il y a des documents ici. Je me demande à quoi ils peuvent bien servir. C'est peut-être les preuves qu'on cherchait. Ça a l'air d'être des documents sur des activités illégales. Et ils étaient en train de stocker ça à la vue de tous. Visiblement, ils se croyaient à l'abri de tout. Il faut qu'on arrive à monter à l'étage. Si on chope le big boss, tout sera terminé. Tout ça juste pour de l'argent. C'est toujours comme ça, tu le sais. Bon, faut qu'on arrive à s'infiltrer à l'étage supérieur. Fais attention. Il a l'air occupé. Il a dû avoir une urgence, il s'en va. Viens, suis-moi. Il y a énormément de gardes de ce côté. On pourra pas passer comme ça. On va se faire griller direct. Il faut pourtant qu'on arrive à monter rapidement. Attends qu'il se tourne. Maintenant, viens! On a réussi, John. On est à l'étage. Allez, allons le débusquer. Il y a quelqu'un dans le bureau. Vous êtes en état d'arrestation. Ok, je vous laisse. J'ai des invités. Vous avez fini par retrouver notre QG alors? Oui. Et ça n'a pas été simple. Vous allez vous rendre? Me rendre? Mais pourquoi? Monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce que vous avez fait de mal? Inutile de faire l'innocent. On a trouvé tous les documents en bas. Tous les documents falsifiés. Et puis surtout, on a un témoin. Qui nous a donné l'adresse de ce bâtiment. Vous êtes cuit. Ah, vous parlez de James? Je savais qu'il nous trahirait un de ces jours. C'est ça de prendre des policiers corrompus. Ils ont toujours un problème à la fin. L'orgueil, ou plutôt, comment expliquer ça? Je dirais plutôt la culpabilité. La culpabilité, c'est peut-être ça. Dans tous les cas, ce bâtiment grouille de preuves. On n'aura pas du mal à vous coffrer. C'est ce que vous croyez, mon cher. Mais avant de me coffrer, faudrait d'abord sortir vivant d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a déclenché l'alarme. Vous pensez quand même pas que vous alliez sortir d'ici vivant? Il faut qu'on se tire d'ici, John. Bonne chance. Il doit y avoir une issue. Fais gaffe, planque-toi! Fais attention! On va pas réussir à sortir comme ça, ils nous canardent comme des lapins. Et qu'est-ce que tu proposes? Il faut qu'on s'en débarrasse. On a eu chaud. Et tu crois qu'il était seul? Il y en a d'autres qui rappliquent! Baisse-toi!
Ils ont des fusils d'assaut, on n'a aucune chance. Alors il faut qu'on bouge. Vas-y, je te couvre. Je te couvre, vas-y. Allez, on se tire, John. Viens, monte. Fais attention. Y a aucune issue. Ils vont monter. J'ai pas envie de crever ici. Alors on n'a pas le choix. Il va falloir sauter. Non mais t'as complètement craqué. On va s'écraser en bas si on saute. Et tu proposes quoi? On va se faire descendre. Eh ben on peut dire qu'on a de la veine. Apparemment quelqu'un a prévu la police. On est sauvés. C'est ici que tu nous as indiqué? Ouais, c'est ici qu'il y a la police. Il y a l'agent des Car Prime et John Wish. Ils doivent être en embuscade. Il va falloir les aider, monsieur l'agent. On est tous prêts à intervenir. On entre. Ok, sergent. Bien, grâce à vous, on a pu s'en sortir. Heureusement que Sue avait prévenu la police. Sue, il y avait moi aussi. J'étais avec elle, ouais. Ouais, nous, on n'en a pas eu forcément l'idée. On a préféré rentrer. C'était trop dangereux. Vous nous en voulez pas, inspecteur? Oui, vous nous en voulez pas? Non, on s'en est sorti quand même. D'ailleurs, elle est où, Sue? Ouais, je suis là, inspecteur. Vous m'avez pas vu? Ah, Sue, toujours aussi drôle, toi. Tu veux pas descendre? Non, je suis très bien, inspecteur. Laissez-moi faire ma gym. Ah là là, celle-là, toujours en train de se faire remarquer. Bon, et du coup, ça y est, on en a fini avec Ghostface? En théorie, c'est terminé. Ils ont arrêté le plus grand des criminels. Toute l'organisation est tombée. Oui, c'est fini. Plus aucun coup de fil, plus de crime, plus de couteau. Ça vous fait quoi de vous dire que c'est terminé? Que vous allez plus jamais avoir affaire à ce tueur? Ben moi, ça me soulage. J'en avais marre. Ben, qu'est-ce qui nous dit que c'est terminé? Finalement, c'était qui appelait Sue? Je crois qu'on le saura jamais, en fait. Bon, moi, j'ai juste envie de fêter ça. On va en boîte? C'est la fête! Fais attention, Sue, tu vas te faire mal. Ah ben, on lui avait dit qu'elle allait tomber. Bah ça va, je me suis juste fait mal au dos. Mais c'est rien, wesh. Ah, fais attention, Sue. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Wesh, qui c'est qui m'appelle? Bonsoir, Sue. Ah, c'est pas vrai, hein! Je t'avais dit d'effacer mon numéro! Tu t'es débarrassé de ces amateurs. Maintenant, il ne reste plus que toi et moi. Mais t'es qui, wesh, à la fin? Je te chopperai. Tu verras, je te chopperai. On se retrouve bientôt, Sue. Mais wesh, vous me voulez quoi encore? Je te préviens. Fais en sorte que les autres ne se rendent pas compte que c'est moi au téléphone. Sinon, c'est tes parents qui vont y passer en premier, Sue. D'accord, j'ai compris. Vous voulez quoi? On va se retrouver où tout a commencé, Sue. Ça me va. Qu'on règle nos comptes pour une fois. Qui c'était? Ouais, c'était personne. C'était un faux numéro. Un faux numéro? Mais tu avais l'air stressé au téléphone. C'est vrai ça? Tu es sûr que tout va bien? Wesh wesh la patate. Je suis contente quand ça se débarrasser de Ghostface. Comme ça on est tranquille maintenant. Tu es sûr que ça va, Sue? Y'a un truc qui cloche ou quoi? C'est vrai que t'as un comportement bizarre. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais wesh, vous voulez ma photo ou quoi? Je vous dis qu'il n'y a rien. Oh, c'est beau, là. Et d'ailleurs, elle est où, Sylvie? Je suis là, Sue. J'étais partie me changer. Eh, vas-y avec ta note, toi. Eh, toujours quand on a besoin de toi, t'es pas là. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Je suis au téléphone, t'es pas contente? Je vais me changer, t'es pas contente? Oh, j'ai pas le droit d'avoir la classe un peu? Ça va, Sue, t'es sûre? Demande-moi encore une fois si ça va et tu vas voir si ça va. Bon, laissez-la tranquille. C'est vrai, ça. Après, elle va plus vouloir sortir avec moi. Non mais ouais, je voulais déjà pas sortir avec toi, il est fou lui. Bien, c'est vrai, changeons de sujet. Bon, l'histoire est close. On a bouclé tous les criminels, c'est terminé. Ils viendront plus vous embêter. Du coup, vous avez plus besoin de nous. Allô? Oui, inspecteur Prime, on a besoin de vous. Ok, j'arrive avec John. On se rejoint où? Au commissariat de Brookhaven. Très bien, on arrive. Bon, je suis désolé les enfants, on doit partir. C'était le central? Ouais, apparemment il s'est passé quelque chose. Ils m'en ont pas dit plus au téléphone. Ok, ben allons-y alors. Ouais, je vous partais, inspecteur? Oui, le devoir nous appelle. Malheureusement, on n'a pas que cette enquête sur le dos. Bah, en tout cas, merci pour tout, hein. Oui, merci, inspecteur. Grâce à vous, on a pu s'en sortir. Merci, inspecteur. Vous avez fait du bon travail. Vous m'avez sauvé la vie. D'ailleurs, vous avez un numéro de téléphone où je peux vous joindre, inspecteur John Wish? Non, pourquoi? Bah comme ça, je vous trouvais assez mignon. Et ça y est, ça recommence.
Non, mais il a pas ton âge, t'as vu comme il est vieux? J'exagère, hein? Wesh, vas-y, maintenant, se met à draguer l'inspecteur! Bon, viens, on y va, John. Oh là là, il va me manquer avec son regard noir puissant comme ça. Un bon brun ténébreux, comme je les aime. Elle est vraiment fatiguée, celle-là. Et pourquoi, moi, elle parle pas comme ça, Sou? Parce que t'es moche! Eh ben, on en a pas terminé avec tout ça. Moi, je vais rentrer à la maison. Il faut que je réfléchisse à un truc. C'est vrai qu'il commence à se faire tard. Moi aussi, j'ai des trucs à faire. Eh ben, cette aventure, elle était rude. J'espère qu'on se reverra en tout cas. Tu vas me manquer, Sou. Ouais, ben toi, pas du tout. Bon, allez, à la prochaine, tous. J'ai des devoirs à faire. Et merci d'être venu. À la prochaine, les amis. Ouais, chérie, tu veux que je t'épluche les tomates? Oui, s'il te plaît. Tu peux m'en prendre deux ou trois? J'aimerais bien que tu m'aides à cuisiner. Vas-y, j'allais pas dire que j'avais cuisiné, moi. J'ai dit que j'ai pliché les tomates. Ouais, ben tu m'aides à cuisiner ou ce soir tu manges rien? Ça va, je vais t'aider. Ah, c'est toujours pareil ici. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois prévenir la police? Mais si je fais ça, mes parents, qu'est-ce qui va leur arriver? Je pense qu'il serait plus sage de rien dire. Et de régler le problème moi-même. À nous deux, Ghostface. Oh, attends, là. Tu vas où, fillette? Je vais chez Sylvie, papa. C'est hors de question, ma fille. Tu sors pas d'ici. Et ça va, si elle te dit qu'elle va chez sa copine. Elle habite à côté. Mais wesh, vas-y, maman. Laisse-moi sortir. Chez Sylvie? Bon, ok, mais tu restes pas longtemps. D'accord, wesh, maman. Je reviens vite. Et tu m'appelles si tu as le moindre problème. Ça va, papa. À plus tard. T'es pas fou de la laisser sortir à cette heure-ci? Oh, ça va, elle va chez sa copine. Laisse-la tranquille un peu. Et en plus, je t'aide à faire la cuisine. Ouais, ça va pour cette fois. Mais wesh, ils sont sérieux, là? Ils font la fête tranquille chez elle et ils m'invitent même pas? Ouais, ben heureusement, je suis pas allé chez Sylvie. Il y avait personne. Il y a quelqu'un qui sonne. Ouais, ouais, j'ai entendu. Sou, c'est toi? Bah wesh, c'est moi. Oh, vous faites la fête sans moi en plus? Mais vas-y, entre. Je pensais pas que tes parents, ils allaient te laisser sortir. Ouais, je suis là, wesh. Même pas vous me calculez? Oh, Sou, ça va. On était juste en train de regarder une émission. Bah ouais. On pensait pas que t'allais pouvoir sortir. Oh, elle est venue. Oh, ben s'ils avaient su qu'il était là, lui. Qu'est-ce qui se passe, Sou? Moi, je voulais vous voir pour vous parler d'un truc. Ah ouais, il se passe quoi? Ben, je dois partir pour une urgence personnelle. Vous allez peut-être pas me voir pendant plusieurs jours. Ah bon? Et quoi comme urgence? Et pourquoi tu nous préviens à cette heure-ci? Ben, en fait, c'est compliqué. Je peux pas trop vous en dire. Mais c'est grave? Non, c'est pas grave, vous en faites pas. Je voulais juste vous prévenir, c'est tout. Vous inquiétez pas, les amis. Mais Sou, tu vas pas partir sans nous quand même. Tu sais que si t'as des problèmes, on est là. Tu peux compter sur nous. Oui, on viendra si tu as besoin d'aide. Non, vous en faites pas. Je vais me débrouiller toute seule. Bah ok, mais c'est bizarre ton histoire. Allez, je vous laisse. Vous trouvez pas qu'elle a un comportement bizarre? Ben clairement. Vous pensez qu'on devrait la suivre? À mon avis, il y a quelque chose qui se joue là. Il faudrait qu'on aille avec elle pour voir. Moi, je pense qu'il faudrait la suivre. Elle est bizarre. Elle a un comportement étrange. Ouais, on va faire ça. Mais faut pas qu'elle nous voie. Si elle se rend compte qu'on est là, elle va pas être contente. Bon, d'accord. Allez, suivons-la discrètement. Eh ben, il y avait de la marche, hein. C'est là qu'il veut que m'en trouve l'autre encore. Vas-y, j'en ai marre de l'hôtel. Hey Ghostface, t'es là, wesh? Je suis dans l'hôtel. T'es où? Ghostface! Oh, t'es où, wesh? Moi, je suis venu, moi. Je suis de parole. Ghostface! 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 Vas-y, profite même pas de l'eau, le gars. Moi, si j'avais une piscine comme ça, je serais trop contente. Ghostface! Vas-y, je vais monter à l'étage.
Alors on va aller au premier, wesh. Mais y'a personne, wesh. Bon, je vais crécher ici, je vais l'attendre. De toute façon, le gars, il donne rendez-vous, même pas... Ce gars-là, il est bon pour t'appeler, mais quand il t'appelle pour un rendez-vous, il est même pas là, quoi. Vas-y, le tueur, il m'a posé un lapin. Elle est malade d'être venue ici? Mais c'est pas là que sa sœur s'est fait tuer? Il me semble que c'est ce qu'elle avait dit. Pourquoi elle revient sur les pas? Il doit y avoir quelque chose d'étrange. On ferait mieux de la chercher à l'intérieur. Sou! Sou, t'es là? Sou! Allô, chérie? Si tu l'appelles comme ça, elle risque pas de venir, hein. Mais elle est où, alors? Il faudrait peut-être la chercher. Quelqu'un sait où elle aurait pu aller? Elle est peut-être dans une chambre. C'est un hôtel, après tout. Faudrait monter voir à l'étage. Ouais, on va monter. Sou, t'es là? Allô, Sou? Ouais! Sou, t'es dans la baraque ou quoi? Oh, mais vous allez vous taire, wesh! Vous allez attirer Ghostface! Ah, mais t'es là, Sou! Mais qu'est-ce que tu fais ici toute seule, t'es dingue? Mais comment ça, attirer Ghostface? Pourquoi tu dis que Ghostface, on va l'attirer? Je croyais que c'était fini. Eh non, c'est pas fini. Il m'a appelé, wesh. Il m'a dit de le rejoindre là. Mais t'es malade ou quoi? Ghostface, il t'appelle et toi, tu viens dans l'hôtel? Mais t'es folle! Mais pourquoi tu prends le risque d'y aller seul? T'aurais pu prévenir la police? Il y avait les deux inspecteurs et tu leur as menti. Et c'est pas cohérent ce que tu fais. J'ai pas eu le choix, wesh. Comment ça, t'as pas eu le choix? On a toujours le choix, Sou. Et il a dit qu'il allait s'en prendre à mes parents. Alors ouais, d'accord, mon père, il est sévère, mais bon, j'ai pas envie qu'il meure. Tu comprends? J'ai pas envie qu'il meure comme ma sœur, quoi. Sérieusement? Il voulait s'en prendre à tes parents? Mais pourquoi t'as accepté ça? T'aurais dû prévenir la police. Il m'a dit que si je prévenais la police, il allait tuer mes parents. Moi, je sais pas qui c'est. J'ai pas confiance, tu comprends? Elle a eu raison. C'était trop dangereux. Mais t'aurais pu nous le dire à nous? Eh oui, on serait venu t'aider. Je voulais pas vous mettre en danger. Attends. J'ai pas envie que vous mouriez comme ma sœur. C'est dangereux ce que t'as fait. Bon, heureusement qu'on t'a suivi. On sentait qu'il y avait un truc qui allait pas depuis ce matin. Ça, c'est clair. J'ai vu que t'étais pas comme d'habitude. Eh, vas-y, toi. Bon, on fait quoi? On va rester ensemble. Et on attend Ghostface. Mais vous avez de quoi vous débarrasser de lui? Tu crois quoi? J'ai pris ma lame, moi. Elle est avec moi. Moi aussi, j'en avais trouvé une. L'arme du tueur. Non, mais vous êtes dingue. Vous croyez vraiment qu'on va l'avoir avec un couteau? Allez, on va dans la chambre. On sera plus en sécurité. Ouais, suivez-moi. Ça fait des heures qu'on est là. Toujours pas de Ghostface. C'était déjà pas une bonne idée de venir ici. Mais on fait quoi alors? Ben on l'attend, on n'a pas le choix. Vous me fatiguez. Soyez patient. Vous m'entendez? Pourquoi vous parlez plus? Mais ouais, je vous ai passé où? Vous m'avez laissé toute seule? Sylvie? J'ai là? Sylvie! Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Y'a quelqu'un? Eh oh! Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qui est là? Bonsoir, Elvis. Ah! Bonsoir, Elvis. Mais vous êtes deux! Laissez-moi tranquille! Non! Y'a quelqu'un, vous êtes où? Qui c'est qui est là? Franchement, vous me faites pas peur! Allez, arrêtez de vous cacher! Répondez! Y'a quelqu'un? Vous êtes où? Vous cachez pas! Je sais qu'il y a quelqu'un dans la chambre! Qui est là? Vous m'avez enfermé, vous êtes sérieux? La porte est fermée. Qu'est-ce que vous me voulez, bon sang? Bonsoir, Sylvie. Encore vous? Je savais que c'était vous! À nous deux, Sylvie. Allez, viens par là, je t'attends.
Y'a quelqu'un? Vous êtes où? Y'a personne? Allô? Quelqu'un m'entend? Qui c'est qui fait ce bruit? Y'a qui là-bas? C'est toi, Sue? Sylvie? Elvis? Stuart, c'est toi qui es dedans? Mais y'a personne ici. Bonsoir, Mathilda. Au revoir. Vous êtes où? Je vous entends plus. Sylvie? Sue, t'es où? Mathilda? Salut, Stuart. Tu crois que j'ai peur de toi? Allez, vas-y, viens. À nous deux. Tu veux faire le mariole avec moi? Salut, Stuart. Quoi, comment ça? Vous êtes deux? Ouais, je vous ai tout. Mais c'est quoi tous ces bruits là? Y'a quelqu'un? Allô? Sylvie? Stuart? Mathilda? Vous êtes où? Y'a quelqu'un? Mais où est-ce qu'ils sont tous passés, wesh? Vous êtes où, wesh? Allô? Stuart? T'es là? Elvis? J'étais sûr d'avoir entendu Stuart. Stuart? Ils sont où? Là où tout a commencé. Wesh, y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? On se retrouve, Sou. T'es enfin là, toi? Tu vas me dire qui tu es à la fin? Bien sûr, Sou. Il suffisait de demander. Mais t'es qui, toi? Tu me reconnais pas? Steve? Eh oui, surprise. On a fini par t'avoir. On s'est bien amusé avec toi. Mais pourquoi tu fais ça, wesh? Tu n'en as pas fini avec les surprises. Quoi? Y'a quoi comme surprise? Bonsoir, Sou. Mais qu'est-ce que c'est encore? Mais t'es qui, toi? Bonsoir, Sourette. Alors, tu m'attendais? Sarah? Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Tu oses me demander? Tu prends trop de place, Sou. Comment ça, je prends trop de place? Y'en a jamais eu que pour toi. Papa, il a toujours été que pour toi. Moi, j'existais pas. La preuve, quand je suis morte, il s'en foutait. Et on a décidé d'agir. Quoi? C'est pour ça que vous avez tué tout le monde? Et alors, c'est pas un motif? Mais c'est rien, ça! C'est une illusion que tu te fais! C'est pas une illusion. Ton père s'en fiche complètement de Sarah. Ils l'ont vite oublié. C'est clair. Ils ont fait comme si j'existais pas. Et c'est pour ça que t'as tué tous mes amis? Ils sont où, d'ailleurs? Tes amis sont tous morts. On s'est chargé d'eux. Et j'en ai pris un malin plaisir. Je t'ai fait souffrir comme tu m'as fait souffrir, Sou. Je me suis bien amusé avec toi. Mais maintenant, c'est terminé. Tout ça pour ça? T'aurais pu m'en parler plutôt que de tuer tout le monde. Y'a plus besoin de discuter maintenant. C'est ta faute tout ça, Sou. Depuis que ton père s'est mis avec ma mère, j'existais pas. Pour lui, tu étais la seule qui existait. Moi, j'étais rien. Mais tu dis n'importe quoi, wesh! Bon, ça suffit de discuter. On l'emmène dehors, on se charge d'elle. Avec plaisir, Steve. On va faire qu'une bouchée de toi. Vous êtes sérieux, wesh? Tout ça pour ça? Assez discuté, Sou. Franchement, vous abusez, là. Une dernière faveur? Ah oui, dis-nous ce que tu veux, Sou. Un dernier mot à dire? Vas-y, t'es plus ma sœur, toi. C'est tout? C'est d'un ridicule. On va se débarrasser de toi, Sou. Et je vais pouvoir retourner à la maison. Et les parents vont s'occuper que de moi. Et je t'aurai plus dans mes pattes. Et on pourra enfin se marier. Sans t'avoir dans l'ombre. Vous êtes pathétique, wesh. Vous êtes ensemble en plus. Et alors, ça te pose un problème? Bande de crevards, va. Bon, ça suffit, j'en ai marre d'entendre sa voix. On s'en débarrasse. En tout cas, je dois te dire que c'était agréable de jouer avec toi. C'est clair qu'on s'est bien amusés.
Vous êtes pathétique, je vous ai dit. Elle se demandait qui c'est qui l'appelait. Tu te rends compte? Ouais, elle était là en train de galérer. Et nous, on était en train de rigoler à distance. On te voyait t'affoler au téléphone. Tu as accusé tout le monde sauf les bons. Bon, le jeu est terminé. Au revoir, Sou. C'était de justesse. Tu l'as dit. Mais qu'est-ce que vous faites là, wesh? On t'avait suivi. On se doutait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et on a bien fait, apparemment. Vous comptez faire quoi, là? Vous me détachez ou quoi? Vas-y, détache-la, John. Ok. Centrale? Oui, c'est Deckard Prime. On a besoin de renforts à l'hôtel. Ok, inspecteur, on vous envoie des renforts. C'est bon, ils arrivent. Wesh, vous m'avez sauvé la vie. On a fait que notre travail. On a bien fait de te suivre, on se doutait qu'il y avait un truc. Ils sont où, tes amis? J'en sais rien, moi. Ils étaient tous dans l'hôtel. Mais apparemment, ils m'ont dit qu'ils les avaient tués. Je vais partir à leur recherche. John, tu restes avec elle. Ok, Deckard. Bah alors, c'est terminé cette fois? Oui, c'est fini. Ce n'est pas terminé. Pousse-toi, Sou! J'en ai pas fini avec toi, Sou. Oh là là, qu'est-ce qu'elle parle, celle-là? Elle est fatigante. Mais Sylvie, tu as encore en vie? On les a eu, ces ordures, Sou. C'est terminé. Every time we fall in love, we get it right sometimes.